Hey, bonjour, bonsoir à tous, à vous qui êtes chez vous. Ce soir, JDR, pas trop prévu, avec tout le monde. Et c'est parti, on va rejoindre le Discord, si vous le voulez bien. Est-ce que... Dans une camionnette, surtout, sûrement des certainement des livreurs. J'ai vu un crâne chaud avec une belle beubare et je me suis dit, bah attends, c'est pas Cap. Non, non, moi. C'est pas. C'est. Enfin bon. Alors, Maverick, c'était comment cette petite pougne? Enfin, cette petite baise? Putain, mais c'est con. Parce que t'as disparu pendant 25 minutes. Ah, mais c'est le temps réglementaire pour un match, hein. Allez, simple. Alors toi, tu commences bien le live, toi, t'es bien, toi. Ah, putain. 25 minutes, le temps réglementaire, oui. J'avais on est d'accord. En live, je vais tout de suite aller sur Twitch et me mettre en leurre. Moi, je vais aller tout de suite signaler son live pour comportement dégueulasse. Exactement, c'est ce que je suis en train de faire à l'instant. Pour ton comportement dégueulasse. Allez, bâtard. tu sais pourquoi on a fait ça en même temps? Parce que nous, c'est notre projet. Gaylord. Aïe. Ah non, pas Twitter, connard. Eh bien, si vous êtes Gaylord, résumez-moi tous les deux en même temps avec les mêmes mots les dernières sessions. Avec plaisir. Non, Warren, j'ouvre la bouche. Je peux juste vous dire pourquoi j'étais pas là hier et avant-hier ou pas du tout. J'ai un peu le temps ou pas? Oui, absolument. Oui, si, vas-y. Bon, alors, ce qui s'est passé, c'est que très clairement, je suis un joueur à pré-retraite, on va dire. Hein. J'ai 32 ans, hein, au basket, hein, c'est un peu compliqué. Et je me suis complètement pété le tendon rotulien gauche. Ah merde, putain, voilà. Sérieux? Et oui, c'est vrai. Donc, moi, je pensais que c'était rien à voir. C'est un tendon que je ne connais pas beaucoup. Tu peux me le présenter? Non. Ça, en gros, j'ai fait mon double pas simplement. C'est-à-dire, j'ai fait 1-2 shoot. Et le problème, c'est que sur mon dernier pas, c'est-à-dire le pied gauche, je me suis pris mes 70 kilos dans le genou gauche. Il s'est complètement effondré sur moi-même. À la réception, ouais, quand t'es redescendu, t'as claqué, quoi. Ah, en montant. C'est-à-dire que tu fais... Ah oui, d'accord. C'est 1-2, okay. Et décollant. Le deuxième, tu sautes. Pour faire ton double pas. Oui, d'accord. Le problème, c'est que c'est sur le deuxième pas, c'est-à-dire celui qui est le plus
on va dire, le... c'est celui que tu dois réussir. Le plus chargé. Voilà. Ah, mais je sais, j'ai fait du basket aussi. Hein. Et le problématique, elle est là. Je suis du hand, alors je sais sauter. Voilà. Donc, en gros, voilà ce qui s'est passé. Ça pique un peu. Ah, putain. Non, moi, je pensais que c'était à cause de ta fille qui était malade. Bah, ma fille était malade aussi, mais là, pour hier, j'ai eu un gros problème, c'était ça, ou... Voilà. Bon, bah, rip le genou, j'espère que mais, ça va se remettre. Aux prochaines soirées, si vous voulez qu'on refasse ça, si en plus de ça, ce qui me fait chier, c'est que j'avais ramené presque tout le monde que je voulais, en plus. Bah, y avait ouais, en plus, vraiment, on a hâte de rejouer parce que franchement, c'est génial le jeu. Ah, mais et je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit que les 7 euros, c'est une pépite. Ah, oh, oui, large, ça mérite même 14. Moi, ouais, j'étais en mode Babacar Bossembo et je claquais le cul à tout le monde. Je confirme. Non, mais franchement, c'est un super jeu. Franchement, vu que c'est l'arc de Balménor ce soir, je lui ai fait plaisir, j'ai mis mes oreilles d'elfe. Ah, oui, voilà, oui. Regardez-le. Alors enfin, là, c'est plus le Seigneur des Anus qu'autre chose, là. Le Seigneur des Seigneur du rectum. C'est ça. Le Seigneur. Ou alors. Je vais démarrer l'enregistrement. Ou alors t'as le silence des agneaux, mais par contre c'est pas du tout la même chose. Non, mais c'est un très bon film. Très bon. Vous connaissez les mecs, le même est l'ingrédient secret. Ah les gars, est-ce qu'on va pouvoir démarrer? Je peux démarrer mon enregistrement à moi? Je le ferai qu'une seule fois si tu me regardes, maman. Je le fais. Elle déteste que je fasse un truc dans le silence des agneaux, c'est quand t'as. Anthony Hopkins qui présente, tu sais, avec l'effet Bobber. Ah. Et ça, elle déteste ça qu'on fasse ça, parce qu'elle avait horreur de ce film-là, elle a eu trop peur. Donc c'est pour toi, ah, celle-là. Trop peur, en vrai. Bon, allez, je démarre. Bah, je démarre l'enregistrement, parce que personne ne me répond. Bon, bah du coup, bonsoir à tous, et bienvenue dans cette session. Ah merde, non, c'est pas mon JDR, je me suis trompé. Oui, t'as... Alors comme moi j'aimerais bien. Hein. Alors comme Zelma, tu m'as. C'est quoi qui m'invite? Comme Zelma, tu m'as pourri mes premières secondes de mon live pour l'enregistrement. J'aurais quelque chose à dire. Allez vous faire foutre. Ça me va. Allez tous vous faire enculer. Ça me va, ça me va. Je mets un petit truc dans discussion. C'est pour Warren, c'est pour moi. Oh merde. L'avantage, c'est que vous entendez. Vous entretenez tout seul. J'ai tant fini de manger. Ouais. Et bon. Putain, je sais, vous arrêtez de vous entretenir. Bah, ouais, allez, je vais faire un. On attend là. Là, ça y est, on t'attend. Allez, GDR réception. Je vais jouer un double GDR. Excusez-moi, j'ai affaire avec plus, il faut qu'on se avant de boire, il faire de l'alchimie. Et l'ingrédient secret, une tuile. Bien. Et avant de faire des choses avec votre mousse, lancez-moi tous un dé 20. Et vous pouvez me faire résumer. Un dé 20 maintenant. Un dé 20. Oui, un dé 20 maintenant, pas demain. C'est clairement pas moi. J'ai fait 14. Alors attendez, faut que je lance la session. Spinal a fait 4. J'ai fait 6. Balménor a fait 6. Eh bien, je me connecte. Résumé. La dernière fois. Bah... Attends, il y a Lynx qui a pas fait son jet. Oui, faut que je me connecte. 2 secondes. Il l'a pas fait. Je vous ai laissé 20 minutes pour vous connecter, bande de cons. C'est pas grave. Je vais le faire. Je vais le faire. Alors, la dernière session. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions à l'université arcanique. On s'est fait défoncer la gueule par Soudmar et ses acolytes. Mon maître, qui était présent, mais beaucoup plus jeune, était aussi sous l'emprise du témoin. Parce que visiblement, toute cette petite équipe, l'équipe de la mort, hein, l'Axe, hein, clairement, c'est l'Axe de la Seconde Guerre mondiale, qui sont contre nous. Et nous avons, mon maître, Soudmar, et visiblement toute la famille de Jane. Ouais, ma famille, c'est des connards. Qui sont clairement contre nous.
Il se trouve que mon maître a été libéré de cette emprise grâce au chant de Jane, parce qu'elle était en train de me serrer la gorge, du coup, et ça l'a réveillé. Et ensuite, bah, on a dû fuir, on s'est tiré, et on s'est retrouvé donc, dans une espèce de château qu'on doit défendre. Et bon, bah, ils nous ont dit que c'était la merde, qu'il fallait qu'on soit prêt, qu'on soit affûté. Mon maître est parti chercher des alliés, et puis, bah, voilà, après, on s'est retrouvé là. Pas comment, mais on s'est retrouvé là. Vous avez sauté dans un puits. Ah oui, on a sauté, c'est ça, oui, on a sauté dans le puits. Voilà. Oui, dans un puits. Et on a atterri là. Comme dans Spider-Man 1. Géronimo ! On a sauté dans un puits et on est arrivé. On est arrivé à Tulland. Par contre, c'est qui là qui a un micro pourrable là ? Vas-y, parlez voir. Alors, c'est Lynx. Oh non ! Mais comment c'est possible, c'est putain, moi ? Non, c'est bon, t'inquiète. C'est juste qu'en fait, on entend des bruits autour de toi, ça fait des. Pff, pff, mais c'est rien. Ouais, ton micro est beaucoup trop fort. Bah, c'est pas grave, on est obligé de faire avec, toi. Bon, bah, je vais faire avec alors. Attends, je vais te descendre un peu. Excusez-moi, Jane, vous pouvez vous barrer. Non, mais hors de question que je me casse. Si, vous parlez. Tu sais même pas qui c'est, t'as aucune raison d'être là. Bouge. Si tu sais qui c'est, c'était la meuf qui c'était la capitaine du bateau qui t'a amené ici. Ah, donc si, elle la connaît aussi, qui rien. Ah oui, qui t'avait amené pas ici. Voilà. C'est la meuf avec qui j'ai eu un idylle pendant 2 mois. Allez, fous-moi la paix. C'est totalement faux. Ah, Dieter, ça n'a pas confirmé. Non, hélas, non, c'est une capitaine de bateau qui t'avait amené chez l'Empire de Chimay. Petrinus, le Chimay. Tu peux arrêter de la prendre par la taille, Warren, c'est très gênant. Je fais rien, je me suis juste mis à côté. Du coup, vous avez sauté dans un puits, déjà vous avez les genoux dans un état extrêmement douteux. Attends, moi je vais reculer. Bah, c'est ça, hein, de faire des choses sur les genoux. Ça fait mal, hein, ça irrite. Hein. Oh, on se calme. C'est pas parce qu'il y avait Jane. Vous avez atterri sur un bateau. C'est vraiment que certains d'entre vous reconnaissent, d'autres que ne connaissent pas du tout. Vous êtes... Il n'y a rien autour de vous, même pas le dos. Il y a juste le bateau qui navigue dans le vide. Oh non. Et si aussi. On est sur le bateau des damnés. Warren, tu peux regarder s'il reste des boulets chaînés, s'il te plaît. Et ça aussi, il faudrait qu'on le refasse, ce jeu, quand même. Captain! What? Fuck. Pardon. À ce moment-là, je me retrouve vers le maître de mes... De Philippe. Et putain, t'es trop impératif de merde, tu me fais une TP. Je fais, ok, où est-ce qu'on est, du coup ? Dans le néant, sur un bateau. La dernière fois qu'on était dans le néant, ça ressemblait pas à ça. Ouais, c'était un peu plus bordélique. Alors, bisous. Parenthèse, on rappelle le passé. Chiant. Attendez, les gars. Vous n'avez... Eh bien, j'attends. Ok, j'attends. C'est sa gonzesse qui doit lui tailler une pipe après rien. Ou alors il se fait Daronhead. Mais hey, toi tu fais le mariol, mais désolé. Ton lit il est drôlement bien fait pour quelqu'un qui a pas tringlé pendant 25 minutes. Hein. Désolé les gars, désolé. Et à ton avis, oui, comment j'ai fait une fille hein. C'est vrai que t'as conçu quelqu'un. Bon alors du coup. C'est quand même la seule preuve que j'ai baisé quand même. C'est vrai. Alors. Petit rappel pour les gens de la saison 1, vous n'avez techniquement jamais été dans le néant, c'était 100% une illusion. Ah merde. Montvier, voilà. Miaou. Bah moi du coup, Ah, tu m'avais pas dit que j'étais malade en bateau. Il y avait pas un délire. On va dire que non. Bah moi je crois que tu lui avais dit que si, bah si gros. Et de toute façon, techniquement, le navire ne chavique même pas, il avance tout droit. Là il s'est
C'est vraiment Sea of Thieves. Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment le bateau des damnés, quoi, c'est vraiment... Il est droit, il navigue dans le néant de l'inexistence. Ou peut-être de la fin de l'existence, qui sait. C'est le début. Bon, bah les gars, je vais vous prendre des planches et réparer ce qu'il faut. Hein. C'est le début, tu sais, du truc de Jack Sparrow, là. Où ils avaient fait le truc de Jack Sparrow, ceci aussi, c'était exactement ça. Oui, c'est complètement... Non, mais c'est là, c'est vraiment... C'est on va où ? Dans l'antre des sur le bateau, vous voyez trois membres d'équipage. Vous voyez une femme extrêmement musclée d'environ 2,50 m à 3 m de haut qui est en train de recharger les canons. Ah, vous avez besoin d'un petit coup de main ? Il y a aussi une très belle femme rousse avec un chemisier blanc et une jupe rouge qui est en train de regarder l'horizon, ce qui peut être considéré comme l'horizon. Oui. Et un homme à la peau rouge avec une corne et une autre corne cassée qui est en train de... est à la barre. Il est en train de souffler sur une amulette. Le mec, c'est Sound Feng. pour ceux qui connaissent. Qui est en train de s'allumer une cigarette avec une allumette. Propre. Du coup, je me retourne vers la meuf colossale et vous avez besoin d'un coup de main pour les canons ou... La meuf colossale. Il fait quel temps là-haut ? Ah, ça ira. De toute façon, c'est pas comme si on allait les utiliser, y a rien ici. C'est juste pour me détendre. Oh, ok. Ah, parce que pour vous détendre, vous faites ça, vous ? Capitaine ? C'est vous, capitaine ? Ah, tiens, ça fait un bail. On se connaît, non ? Mais bien sûr, mais moi aussi, je me souviens très bien. On sait que ça, c'est... C'est vous qui nous avez emmené à l'Empire de Shihai, sur votre bateau. Ah oui, je me souviens, c'était il y a si longtemps, c'était... je dirais il y a... 10 000 ans de ça. Je vous demande pardon ? C'est tout ? Non, je sais pas, j'ai arrêté de compter les années, mais c'est un ressenti. Mais non, ça fait quoi ? Ça fait... Le bah, temps c'est une saison. Étrangement ici. Pour certains, leur séjour ici ne durera à peine qu'une seconde de là d'où ils viennent. Pour d'autres, ça peut durer des milliards d'années. Ça ne dépend pas même pas d'où est-ce qu'ils viennent. Ça... c'est que... Et ça dépend même pas de la personne. La même personne peut venir une fois et revenir une deuxième fois et ça sera différent. Mais du coup, vous êtes coincé ici depuis 10 000 ans ? Hein ? Peut-être plus. On s'y fait, si on trouve le bon endroit. Comment vous êtes retrouvé ici ? Oh, je suis tombé. Ah d'accord. Ouais, nous aussi, mais c'était volontaire. Est-ce que vous aussi ? Non, j'étais en train de marcher, sur le pont, je suis tombé à travers des planches, et puis bah, j'ai atterri ici. Elle est morte. Singulière histoire. Elle est pas morte, c'est les backrooms, les gars. On est dans les backrooms. Après que vous nous ayez déposé, vous voulez dire, ou... Plus tard. Non, j'avais encore transporté une autre femme après vous. J'étais revenu sur le pont, j'avais réussi à transporter une femme. Oui, vous. D'accord. Vous savez, vous sentiez mauvais. Comment ? J'ai pas entendu ce qu'elle a dit. J'ai entendu ce que j'ai entendu. En gros, pas entendu, elle a dit quoi ? Tu sentais mauvais. Qui ça, moi ? Non, moi ! Ah, Jane ! Oui, voilà toi, Jane. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. Moi ? Oui, voilà, toi. Mais je suis outré. Je suis outré. Je suis scandalisé, je suis choqued. Mais je me lave. C'est vous la crasseuse qui vivait sur un bateau là ? Qu'est-ce que vous me cassez ? Que vous me cassez les noix ? Oh là là, ma petite dame. Effectivement, on n'existe pas, même si on existe. Qu'on n'a pas, on n'aimait pas d'odeur. Mais pourquoi,
Mais pourquoi vous avez dit que je puais? Ah non, pendant le trajet. Pendant le trajet, vous collez dans tout à l'heure, je vous avais transporté. Jusqu'à l'Empire de Chine. D'accord. C'est à force de faire des choses avec Philippe, c'est normal. Je m'approche de la rousse et je me frotte contre elle. C'est un très joli chat. Tapez-vous tous la rousse, moi. Alex, putain. Elle est en train de te casser. C'est qui le chaton? C'est qui le chaton? Oh putain. Elle lui caresse sur le menton comme ça en mode. Et là tu, oui, voilà. Tu vois Lynx qui fait comme les chats, c'est qui tend le cou comme ça. Totalement. Même si elle a le regard qui tue. Ouais. J'imagine toi la gagner en mode. C'est qui le bon poupée? Mais oui, c'est toi le bon poupée. Moi j'en rajoute aussi. Bah alors, ma petite Sakura. Je vois tellement Lynx qui fait. Ça, je te mets un coup de patte dans la gueule. Tu sais, qui fait littéralement, tu sais, comme les chats, tu sais, qui se mimiole pendant qu'on le gratte, il fait. Je vais me redéfinir, Sony. Moi, vous voyez Jane qui, est partie en faisant la gueule. Genre vraiment qui s'est retourné comme ça, qui s'est mort, qui a fait. Comme le flamenco. Je me suis barré, me retourne, putain, vraiment, que connasse. Je me retourne vers l'autre avec les camps, et sinon, vous êtes le capitaine, va vous amener où? Ben même nous, on sait pas où aller, en fait, là, actuellement, hein, donc... En ce moment-là, il y a Lillet qui dit « Fortuna ». Et quoi? Fortuna Major. C'est le mot de passe pour rentrer dans la chambre des criminels. C'est quoi, c'est dans la saison 3, ça? C'est dans le prisonnier d'Azkaban, non? D'Azkaban. Ouais. Fortuna Major. Ouais. Oui, c'est bon, rentrez. Pardon, excusez-moi pour ce moment. Bon, la capitaine Rousse dit que je pue. Non, tu puais. Que je puais au passé, et je mets entre parenthèses... Fortuna, ça fait une trotte, là, quand même. Ça doit faire... Ça doit faire à peu près... Oh, loin, très loin, la flemme de calculer. 10 000 ans. Par contre, question, comment vous allez vous faire pour nous amener là-bas alors qu'il n'y a rien? Ah, on navigue, ça se voit pas, là. Bah, en fait, on n'a pas l'impression qu'on navigue. C'est ça qu'on veut dire. On a l'impression de faire sur place. Donc. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Si vous prenez le point A là-bas et le point B ici, et que vous faites les calculs, vous voyez qu'on avance. Allumez, là, est-ce que j'ai la tronche de quelqu'un qui calcule? On dit tous bonjour à Mayla. Bonjour Mayla. Bonjour Mayla. Bonjour Mayla, salut. Bordel Calice, comment ça va là-bas? Il aussi commence à parler. Et ensuite, si on prend la trajectoire des différents mondes, surtout le trajet, et qu'on soustrait leur taille, bon, ça va, mais là. Un chemin viable. C'est lui qui parle, on est d'accord. Hein. Oui. Okay. Comment elle s'appelle déjà la rousse? J'ai oublié son nom. Elle s'appelle Eleonore. Eleonore, voilà, putain, on l'a dit hier. Eleonore, il est toujours comme ça, votre capitaine? Vous inquiétez pas, vivre ici, c'est étonnamment bien pour apprendre les maths. Zelma, il est en train de se faire. Zelma, il est en train de se faire baronner sur le live. C'est vrai qu'en 10 000 ans, vous avez eu le temps d'apprendre des trucs, je pense, oui. Pas forcément par rapport à ça, c'est que. L'expérience même d'être ici et de vivre ici un certain temps conditionne votre esprit à mieux comprendre les maths. D'accord, ok. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que il y a moyen que quand on ressortira d'ici, je sois moins bête au niveau des chiffres, c'est ça? Non, il faut vraiment faire l'expérience de ne pas exister ici. Ah, alors j'ai fait l'expérience de ne pas exister ailleurs, mais ici pas encore. Je l'arrête. Comment t'es en train de te faire daronner, Xelma, sans déconner? Ça me fume, ouais. C'est quoi la session, on s'en fout. Mais non, mais ça me fait rire parce que tout le monde est en train de parler, machin, sur le live. Et là, t'as Xelma et Mela sur le live. Ok.
Bon, du coup, on fait. Qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, pour. Là, je parle à mon maître. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour. Nathan, pour aider, pour qu'on arrive là-bas. Bon, vous faites pas grand-chose. Et sinon, d'accord. C'est quoi pour. Vous pouvez aider. Est-ce que vous pouvez calculer ça? Balménor, il sait le perroquet, les cacatois. C'est bon, c'est Philippe, il est en train de paniquer en mode une crise d'épilepsie, tu sais, genre qu'est-ce que c'est que ce truc. Ok, les artimuses. Hein, quoi? Ça veut dire quoi? C'est un calcul assez banal ici. C'est quoi, Sine? Ah, Eleanor, je suis désolé, mais mon cerveau n'est clairement pas adapté pour résoudre ce genre de problème mathématique. Je crains de ne pas être d'une quelconque utilité pour le moment. Bon, je me retourne vers le maître de Mailer et j'ai. Par contre, c'est quoi Fortuna? Enfin, c'est le seul endroit qui existe vraiment ici. Ah, parce qu'il y a des choses dans ce bordel là? Ben non, ce qui peut s'apparenter à quelque chose au moins. Oui, il y a des gens qui vivent ici, qui ont réussi à, par leurs efforts, faire exister un endroit. Bah putain. Ça me rappelle moi. L'endroit le plus sympa. C'est pas l'endroit le plus sympa qui soit, mais on peut y vivre. D'accord. C'est mieux que la folie. Est-ce que le lynx nous montre c'est une patte avec faisant ça ou pas? Un miaou pour oui, deux oui, deux miaou pour non. Mao. Ah non, c'est deux. Ah non, c'est deux pour non, il a voulu dire oui. Je me sens insulté. Mao. Ça englobe les PNJ. Je me sens insulté du coup. Mais vous allez arrêter vos conneries là, vous deux là ou quoi là, Xelma et Mayla là. Vous allez arrêter vos conneries. Entre l'autre qui dit je vais te péter la chatte machin, pour arrêter quoi. C'est pas moi, je précise, c'est pas moi. Bon, de toute façon c'est un live Peggy 18, donc ça passe. Putain. Putain de merde. Que faites-vous? Eh ben, c'est une bonne question. Je pense que on va aller se reposer, j'imagine. Je pense. Allez dans le coin inférieur. Ah, moi, vous voulez qu'on vous aide à mieux vous détendre là-bas, mais je pense que vous avez pas besoin d'aide pour les boulets, non? Ah, ça va, je m'en sortirai. Ok. Et elle sort une petite allumette et elle commence à allumer les canons. Attendez, on va mettre des feux d'artifice à la place. et tu as les canons qui tirent un par un, puis ensuite elle les recharge. Je peux l'aider. Oui. Alors, je vais aller la voir chez. Excusez-moi de déranger dans votre détente, mais. Comment dire? Au cas l'éventualité qu'il y aurait quelque chose qui nous attaque dans ce vide astral, ça ne serait pas judicieux qu'on économise nos munitions? On peut se défendre, de toute façon elles sont trop rapides pour nos munitions, donc Ah. Il y a bien des choses ici qui sont malveillantes. Si y a des trucs qui viennent nous attaquer, l'équipage peut se défendre, on arrive à se déplacer aussi vite que vous, par contre vous vous tuez avant même que vous réalisez qu'il y a quelque chose qui bouge. D'accord. Rassurant. Les trucs ici se déplacent d'une façon très relative à vous. Elles se déplacent plus vite que vos sens ne comprennent et ne voient quelque chose, ne remarquent quelque chose. Imaginez un instant T où vos sens voient, entendent et sentent quelque chose. Et un instant T plus 1, ils se déplaceront toujours entre les deux. Et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans cet instant entre les deux. Ah ouais, d'accord. C'est rassurant tout ça. J'ai résolu l'équation d'Eaters.
L'enculé. Demandez à ChatGPT. Les putains de merde. Pardon. Et du coup, ça veut dire quoi? Oh, c'est interminable. Mais du coup, il n'y a pas la solution dessus. Si, il n'y a pas la solution, par contre. Non. Non, c'est pas grave, j'ai pété. Ah bah parce que c'est une formule qui n'avait aucune valeur, c'était juste une formule, tu pouvais pas calculer la formule, tu n'as aucune valeur à lui donner. Ah voilà, bah pourquoi t'as dit calcule ça? Parce que je voulais juste vous donner un truc compliqué, vous allez même pas essayer de comprendre. Oh y'a un bélin. Il vient juste à la gueule, c'est pas possible, c'est dégueulasse. Mon cerveau vient d'exploser, ça y est. Coucou Bella, comment ça va? C'est juste la vélocité et son changement avec la friction de l'air. Fabrice, mute-toi quand tu parles sur le chat pour éviter. De quoi? Ça précise un truc. Mais ouais, merde, ça marche pas? Xelma, fais gaffe. Il y a ma meuf sur le chat et avant vous échange avec Mayla. Elle dit défoncer la chatte, c'est très intéressant. Coucou. Ah mais. Oh merci Mayla. Merci pour ton abonnement, oh, merci. Bisous à toi. Myla a pris un abonnement sur le live de Maverick. Oui. Merci beaucoup à toi. Ah, et en plus, et là, t'as les deux. Là t'as Myla et en plus, t'as Bella qui vient d'arriver sur le stream. Alors là, attention. Là. Le lynx qui est descendu, il a vu au pied, il est reparti. Hein? Moi, je veux parler à la femme au boulet. La femme au boulet. Bon, moi je vais pour descendre à la cale. Moi j'ai rien fait depuis le début de la partie, je suis muette, j'arrive, on m'a trash talk. Non, bon, moi tu peux parler, hein. On a juste été honnête. Attends, qui dit ça? Personne, mais il dit ça, non, c'est juste. Bon. Oui, non, mais d'accord, il y a être honnête et à un moment faut calmer sa race aussi, hein. C'était un conseil de vie. Calmer sa mère aussi 5 minutes celle-là, je vais lui péter. Je vais lui péter le cul, elle va rien comprendre. Elle. Oh putain. Oh là là, le chat de Maverick, c'est devenu la fistinière de la terre du milieu. J'avoue. C'est bon, l'hexagone amoureux est en train de se mettre en place. Oh mais déjà ça pue parce qu'à côté t'as Bella qui dit c'est prendre le fion même IG, c'est mon rôle ça. Putain. Bon. Je parlais à la femme à boulet. Avec des gros boulets, quoi. Oui. ça fait longtemps que vous êtes là, vous aussi? Oh, je... Attendez... 3 470 738 427 ans... 7 jours et 32 minutes 50 secondes. Quand même des potes. Et vous. Ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup là. D'accord. Et vous êtes arrivé ici comment? Oh, je suis tombé. Je pense qu'on va avoir tous ça. D'accord. Wow, m'acheter d'un navire, je suis tombé dans l'eau et j'ai atterri ici. Et du coup, vous êtes mort en fait? Non, je suis juste touché, non? D'accord. Comment ça, vous avez touché l'eau? Je suis pas une sorcière qui fond au contact de l'eau non plus. Vu que c'est tous des cons, moi je vais les mettre sur l'avant du bateau, je vais parler à personne jusqu'à la fin du train. Voilà. C'est tous des cons. Philippe, c'est ton moment, vas-y. Vas-y, récupère ton premier love interest. Prends-moi par la taille. Oui, la la. On peut le faire, mec. Très bien. Now. Coucou Jane. Pendant que Jane est en train de réaliser, de rêver d'une réalité utopique, Philippe, qu'est-ce que tu veux dire à Eleanor? Il me fout de la merde. Moi, je veux pas.
Ouais, je prends l'Inx, je m'assois en tailleur sur l'avant du bateau et je boude. Et je prends Sakara sur mes genoux et je te fais... Eleanor, est-ce que je peux m'entretenir avec vous en privé si ça me va. Oui. Non, mais je vous voulez, vous voulez qu'on aille dans la cabine du capitaine? C'est très confortable, il y a un lit très confortable là-bas. Putain de merde. Si vous voulez, oui, si vous voulez, oui, allez. Les gars, si vous voulez, si vous voulez. Non, explosez mon bureau. J'ai ma cabine au coin inférieur. Pour... C'est comme vous voulez. Ouais, allons dans ma cabine. Je suis pas sûr que le capitaine aimerait qu'on touche à ça. Je vous suis. Il va être dans la merde dans ce cas. Par contre, je me vois pas là. Je sais pas où je suis, ça m'a rien fait. J'ai toujours sur le bateau. Mais en fait, je me vois pas. Mon token a disparu et moi, je suis toujours là. Il est en war. Attends, je te ramène ton token. Ouais, je suis là, ouais. Prends ton token. Appuie avec le token sélectionné. Ah, voilà. Ah, pourtant, je l'avais sélectionné. Oh, c'est okay. parfois ça, c'est un bugger. Okay. C'est juste ça, bugger. Excuse-moi, j'ai entendu un bruit qui m'a fait crever de rire. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez qu'on verrouille la porte ou qu'on rende ça plus croustillant en la laissant déverrouiller ? Attendez. Oh, putain. Et si, je suis en bas aussi, hein, je... Ah ouais, mais vous êtes tous descendus, bande de connards ! Ah bah non, il y a Balménor. Non, moi je suis en vie, hein. Alors moi là-bas j'étais descendu juste pour voir s'il y avait un truc à faire, et là je suis devant une meuf. Il y a Myla qui met « Bon bah y'a plus qu'à sauter du bateau !» Pendant que Warren il va taper sa meilleure session de bilboquet, moi je vais faire « Attends, ça se trouve je vais rien faire. Oui, bien sûr. Par contre faut buter les autres du coup pas. Bah tout dépend de ce qui tout dépend de ce que tu veux faire là dans la suite. Bah ça dépend, dépend si tu vas être brillant ou pas. Marraine, mon perso va l'apprendre et tu vas mourir. c'est simple. Non mais fais ce que tu veux. En vrai, fais ce que tu veux, c'est drôle. Attends. J'ai. Ça envoie des MP. J'ai rien fait moi. Si, c'est vrai, je suis coupable. Eh bien... Bon bah du coup... Pendant ce temps-là... Ah... Oui... Bah vrai, tu veux que je te mute ou juste que t'enlèves ton casque pour laisser le... Ah, je peux le... T'inquiète pas, je peux le mute derrière la... Faut le muter parce qu'ils vont regarder le live. Non, justement, laisse-moi tout dans le live, comme ça, eux, les... Enfin... sur replay, même ceux qui regardent, ils peuvent l'écouter, mais moi de toute façon je peux le mute derrière le casque. Je me le mute à chaque fois. Oui, Axel il va regarder sur le live par exemple. De toute façon, non, il a enlevé le casque, il a enlevé le casque, il s'est mute. Ouais, je connais, il s'est mis sur ses enceintes. Regarde-le, je sais qu'il a mis sur ses enceintes. Ah non, regarde, il réagit pas. T'inquiète, il est bon acteur, je sais très bien, mais bon, c'est pas un besoin. Ton père était un salaud. Non, c'est moi le salaud. Bon, du coup, tac. Maintenant que tu es seul avec Éléonore dans sa cabine. Ma très chère Éléonore. Ah, je peux pas voir. Excusez-moi, je peux voir la scène ou pas? Non. Tu nous casses les couilles. Bah non, mais... Hélas, non, ce sera full audio description. Ah, ok. Okay. Bon, bah... de description. comment dire, ça faisait longtemps du coup que je voulais vous revoir. Je sais pas si vous vous souvenez, je voulais qu'on se revoie. Vous voulez déjà qu'on se revoie. Mais ça a été un peu difficile parce qu'il s'est passé beaucoup de choses à l'Empire de Shihai. Et j'imagine que vous êtes resté longtemps ici, vous avez dû vous sentir un peu seul avec vos camarades. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'occasion de s'amuser ici. Bah, si vous voulez, on peut remédier à cela. Juste vous et moi, je vous avoue que je vous trouve très séduisante.
Moi aussi. Eh bien, là, du coup, bah, si elle dit ça, moi j'y vais, hein, je fonce. Hein. Allez, va. Va. Vous allez sur le lit, et je laisse le reste à l'imagination fertile des viewers et de toi. On va revenir aux autres. Ça y est, ils sont rentrés dans l'art, ça a trompé au bout de 2 secondes. Revenons aux autres. Il y a eu du cul. Moi je suis les 4 fers en l'air et elle me caresse le bidon. Et du coup, c'est qui la meuf en face de moi là? Oh pitié. C'est une femme qui est en train de jouer avec un couteau. Et des dés dans votre main. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Bonnie. Et vous? Spinal. Laissez-moi deviner, vous avez été arrêté parce que vous êtes tombé dans un trou. Oui. Putain, je suis tombé dans un... Je suis tombé dans un baril de pierre, mais ça c'est une autre histoire. Attends. Non, il y en a certains, c'est juste qu'ils sont tombés dans un trou parce qu'il y a une circonstance, enfin, comme ça. Et où, dans un baril de bière? J'aime bien la bière. Ouais, j'allais le dire. Là, je regarde les dés, je vais... effectivement, je pense savoir pourquoi, oui. Vous aimez jouer. Ok, elle est où la douille? Ah, aucune douille, c'est juste... on n'a pas beaucoup de choses de genre avec qui jouer... Éléonore, elle regarde tout le temps le néant, et l'autre baraque, elle fait que remplir les canons, et le capitaine, il fait que naviguer, on a personne avec qui jouer. Bien joué, mais pas de mise. Vous rendez rien à faire, bon, très bien. Ah ben désolé, mais vu comment vous êtes, je sens venir les douilles, donc voilà. Je propose de jouer. Wow, dé, j'ai que ça. Comment tu pars, Maïla, oui, sans déconner. Faut juste que je tourne la tête pour que Maïla, tu dises dans tes fesses, sans déconner. Mm-hmm. Ce que j'ai n'est que 10. Et celui qui fait 5 chiffres différents, gagne. Ça me va. Honneur aux dames. Presque. À vous. Athée, totalement. Bien, Athée, même. 4-5, c'est... Gagné. Oh, bravo. Ah, ça fait bien. C'est pas le meilleur jeu que j'aurais pu venir, mais on a pas grand chose ici. Rattrape-toi, oui, Captain. Vas-y, rattrape-toi. Captain, fais-moi un dessin. On descend. J'ai fait 71. Je sais pas à quoi consiste ce dessin. Non, moi je sais. Tu me l'as pas dit. Tu l'as mis en cloque. Je suis là. Je suis là. Ah. Ah bah. Le 71, c'est pour savoir si tu fais un échec critique et si tu jouis maintenant ou pas. Mais on n'a rien fait, hein. Spinal, tu entends des bruits un peu plus loin par ici. Excellent, Maïla. Nous allons monter à l'étage. Bah, c'est vrai qu'on parle un peu fort, peut-être, éventuellement, quoi. Je me retourne vers la meuf et vous n'étiez pas censé être seul. À l'étage pour l'instant. Elle était super bien placée, Maïla, celle-là. Pas le ménage, on va passer un peu à toi. Oui. Tu sais pas pourquoi, tu te sens chez toi ici. C'est pas ici que t'as grandi, que t'as vécu. T'étais sur des bateaux elfiques, dans des vraies mers.
Je sais pas pourquoi t'as quelque chose ici qui te sent bien. Est-ce que c'est le sentiment de se sentir bien dans le côté où c'est quand même ça me paraît très commun, ou est-ce que c'est vraiment l'insistance que je suis sur la mer? Non, c'est vraiment que tu te sens bien parce que tu te sens chez toi. D'accord. Ok. Et ça te rend un peu perspicace parce que tu dis peut-être qu'il y a quelque chose que dans ma vie que j'ai oublié, sauf que non, tu revois chaque année de ta vie, il n'y a aucun moment où vivre dans un endroit comme ça aurait pu coller. Surtout quand tu vois les durées que les gens sont restés ici. Ouais, totalement, ouais. Ça compte pas. Ok. Je pense que je vais arrêter de regarder le live après. je regarderai après. Faut que je me concentre. Non, mais le truc, c'est que... Bah, là, arrête. Non, du coup, est-ce que... Il y a certains endroits de ce bateau-là où je me sens moi-même ou pas? Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que j'ai un sentiment de déjà-vu? Tu peux fouiller un peu pour essayer de voir si t'en as pas un. Je te fais un G ou pas? Non, pas la tour sur le bateau, pas la tour sur le bateau. Oublie pas qu'il y a aussi les mâts, si tu peux essayer de monter. Je peux aller sur le mât. On peut aller dans le nid. Où ça? Tu peux monter sur le mât. Dans le nid de pie, alors là, c'est juste, il n'y a pas de map pour les mains, mais tu peux me dire que tu peux mieux que tu me dis. Bah, je monte sur le mât alors, pour voir là-haut. Tu montes au sommet du mât. Et là, t'as une impression déjà vue. Déjà vu. D'accord. Déjà. C'est l'impression, c'est vraiment que tu es sur ce bateau, et que tu te diriges vers une espèce de ville en métal, un peu en ruine, qui se détruit, tu vois des gens qui reconstruisent la ville en continu. D'accord. C'est tout ce que tu vois. Pour l'instant, tu vois rien de ça, mais tu as l'impression d'avoir déjà vu quelque chose comme ça sur ce monde. Ok, et est-ce que j'ai un sentiment... Enfin, en plus de sentiment commun, est-ce que j'ai un autre sentiment particulier, genre de bien-être ou de nostalgie? Ah, t'as le sentiment de rentrer chez toi. D'accord. Oui, donc je suis littéralement serein, en fait. Même de soulagement. Voilà, oui, voilà. D'accord. Bah, dans ces cas-là, je vais essayer quand même de parler aux deux Gugus en dessous de moi, là. Donc à Lynx et à Jade, et je vais leur dire j'ai le sentiment qu'on va chez moi là. Merci pour le vent, les gants. Immensement. Jeanne, oh les connards. des gogos, des gaulois. Jamin, Sakara, il y a peut-être Balmenor qui a essayé de vous parler. Oui, il est trop loin, j'ai pas entendu. Moi, je suis juste... Comment ça? Mais je peux pas parler? Oui, tu peux pas parler, oui, hein, c'est, t'inquiète pas. Alors, miaou, 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 miaou. Mais c'est peut-être... T'as un énorme regard blasé, je suis prêt à te sauter dessus. Ah, moi j'ai un regard blasé, je fais très bien. En moi. Regarde, tu sais, j'arrive, je fais hey, les grands, regardez, je crois qu'on va chez. Ok, d'accord, Lynx. Ça va? Non, je lui gratte le dos. Tu sais, je le vois sur le ventre comme ça, man. Les quatre fers en l'air, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Et je dis, assieds-toi, Balmenor. Non, mais en fait, je vais aller voir. Je vais aller voir Philippe pour lui dire la nouvelle.
J'y vais, hein. Avec plaisir. Par contre, il faut que tu me remettes en bas parce que je suis en haut et j'ai tout. Ils sont où déjà? Refais-moi. D'ailleurs, Philippe, refais-moi un autre jet. Un descend. Oui, un descend. J'ai fait 30. Bien. Je dois faire son propre jet maintenant. Vous l'entendez, des gémissements. Où ça? Ah, on s'entraîne. Ah, moi j'y vais, hein. Moi je m'en fous. On s'entraîne, fait, on s'entraîne. Au niveau du, ouais. Au niveau du point inférieur. Alors c'est où le point inférieur? Regarde là. Là, là c'est quand tu descends les escaliers. Ah, c'est toi, Jane, t'entends des gémissements au point. C'est celui-là ou pas? Oui, bah, je viens de descendre. Oui. Oui, vite, bah, je suis là donc. Où c'est l'autre? À Balvenor. Très bien. Captain. Oui. Ça se passe bien de ton côté, ça se passe très bien. Ouais, on et s'entraîne, on s'entraîne, on va là. Et en bas, Spinal, est-ce que tu as avancé entre temps pendant tout cette année? Bah, du coup, en fait, je m'étais retourné vers la moche et on était pas censé être seul à la base ici? Oui, là-bas, c'est les quartiers de Glenor. Ah! D'accord. Je m'avance un peu. Je le retiens par l'épaule. Avec Glenor. Je le retiens par l'épaule en mode attends-moi, attends-moi, attends-moi. Vas-y. Vas-y, on y va. Par contre, tourne-toi, frérot, parce que tu fais du moonwalk là. Ouais, mais j'arrive pas à me tourner. J'appuie sur le bouton, mais ça marche pas. Shift molette. C'est quoi? Shift et shift. Oh, leur mage et les flèches. Ouais, c'est bon, merci. Et c'est quelle porte? Non, justement, fallait que tu verrouilles toi la porte. C'est pas moi qui l'ai verrouillé à la base, c'est elle hein, qui m'a enfermé. Ah, attends. Alors, non, là, vous voyez juste Jane arriver avec son épée sortie et qui arrive, genre vraiment pas contente, genre les talons. Attends, mais non, recule. Et le félin qui est juste derrière. Enfin, la féline qui est juste derrière. Alors, je vais demander un jet à Philippe, et je vais faire un jet aussi. Putain, mais arrête de lui faire des jets de baise, putain, t'es horrible. Mais on se traîne, putain, c'est des jets d'entraînement, elle me marave la gueule, regarde. Je peux faire un jet pour participer ou pas? Alors, qui ouvre la porte? Moi. Bah, je suis en face, donc vas-y. C'est moi. Oh, moi, je la défonce. Ah, c'est, non, c'est pas celle-là, la porte, c'est pas celle-là, la porte, elle est ici. Elle est ici. Non, elle est là-bas. Non, c'est moi qui ouvre. J'ai envie de dire, après je ne peux pas parler in RP, mais le moins risqué c'est que ça soit un animal qui ouvre la porte, parce que c'est parfaitement improbable. Alors... Je peux exploser la porte avec mon pied, mes talons hauts. Avec tes pouvoirs tranquilles. Faites-moi tous un des 20, celui qui a le plus haut score, c'est lui qui ouvre la porte en premier. Oh mais non. Non, ouais. Non, c'est un des 20. Ah, des 20, t'as fait un... Ah, si, t'as fait un des 20. Alors... Ok, c'est la chance est avec moi, yes. Donc, okay. J'arrive devant la porte, et je saute mes 4 fers en avant. Tu ouvres la porte, et puis tu vois deux personnes en train de s'amuser sur un lit. Sors tous de la porte. En plus, la mise en place du token est géniale, franchement. Je t'ai eu. Moi. Ok. Moi. Miaou. Je les vois du coup pas. Je les aperçois ou pas? Mais on les voit tous en fait. Alors moi j'ai. Alors moi dans ces cas-là, je les vois, je fais nichon. Tu es rempli d'une colère noire compte tenu que tu es en train de te faire. Tu es cocu au bout de 3 jours de relation quand même. Je vais décrire un truc très simple. J'ai une rage incommensurable. Je fais un pas en arrière et je le décris pour mes deux amis parce que du coup Philippe ne le voit pas. Vous voyez Jane qui d'un coup met sa main sur son cœur comme si elle avait un pincement très violent et qui s'écroule au sol. Oh putain, alors putain, elle a fait un AVC, merde. Je sais.
Je fais un massage. Petite, ça sec ou? Alors ouais, c'est très simple, hein. Mais putain, mais qu'est-ce que vous foutez? Je voyais Philippe qui remet son froc très rapidement. Et hop, cassez-vous. J'ai même pas vérifié le bâtard. La surpris papa-maman, tu sais. Moi, j'ai pas vu Jane en soi, je l'ai pas vu, hein. Ah si, si, tu l'as vu, il faut alors, juste, tu m'as vu, t'as vu ma tête faire. Comme ça, genre. Ah, ok, bah je sais pas. Et t'as entendu quelqu'un qui tombe sur le sol, t'as entendu genre boum. Ah merde. Ouais bah oui, bon après c'est peut-être pas le meilleur moment. De panique, je referme la porte. Juste. Putain. Bah je vais essayer de la secourir quand même, parce que j'ai médecine en capacité. Donc... Je prends le pouls, j'essaye avec la patoune, on sait jamais, avec le coussinet c'est plus sensible. Ne vous inquiétez pas, soyez pas sur une crise cardiaque avec vous. C'est juste Ouais. Bah attends, il peut faire un jeu de médecine et je pourrais lui dire ce qu'il expertise. Je m'assieds sur elle et je la réconforte avec la ronron thérapie, voilà. Si je fais un échec critique également. Attendez les gars, juste une seconde. Genre moi je me tourne vers Léonore et je fais vous êtes assuré pour le bateau ou comment? est-ce que le bateau est très solide? Là ça craint. Vous êtes avec l'autre femme, c'est ça? Oui et non. Comment? Oui et non. Oui, avant de nous être dessus. Non mais non, va bien. j'ai bien envie d'essayer médecine, pour le coup. Parfait, médecine. Tu m'excuseras, hein, parce que moi aussi je suis performant apparemment. Ah mais toi t'es en lynx. Okay. 80 stats, 12, voilà. Tu veux lui dire ou je lui dis? Dis-lui, toi. Tu diagnostiques à Jane une violente peine de cœur, mais au sens physique du terme. Oh. Oui, non, je sais, c'est tout à fait logique et tout à fait plausible. Je vais connecter à elle avec le dysfonction. Mon dieu, c'est le cobaye, on est en train de lui faire je sais pas quoi. Il y a Jane qui rentre en ligne au sol en train de mourir, et là, c'est en mode, alors attends, si je me branche à elle, je lui lèche la joue, voilà. Je suis sûr, avec c'est suffisamment compliqué. D'efforts, on peut brancher le câble RJ45 dans le port USB. Bah, après, en vrai, venez, on se tringle tous ensemble, hein. On laisse les deux. Alors, pour la déconne, je dirais oui, mais la zoophilie me dit non. Oui, on est sur Twitch, on va éviter de faire de la zoophilie sur Twitch. Est-ce que je peux me connecter à elle ou pas? Oh, tu peux te connecter, oui. Jane, fais-moi un G. J'ai d'intelligence. Ah. Un jet d'intelligence, oui, très bien, tout de suite, mais... Ça ne passe pas! Parce que j'ai une balade! Giga. Wisdom! Je suis à 90 d'intelligence! Ah oui, c'est vrai que j'ai 90! Un 10, mais l'abus! En fait, c'est vrai! Les améliorations de stats, c'est effectif à cette session, non? Les bonus qu'on a. Il y a juste Balmenor à qui j'ai oublié de faire le level up, du coup, il l'a pas encore. Mais quel bâtard! Bon. On va dire que ça ira. Ok, mais il se connecte à moi. Mais là, elle préconise la langue rupeuse de lynx. Justement. Tu t'es connecté à elle, sauf qu'elle t'a rejeté. Ah. Voilà, ouais, laisse faire la médecine féline. Non, on va faire d'abord un truc. Je vais la prendre dans mes bras, genre vraiment, je la lève et on remonte à là-haut parce que vaut mieux faire ça. T'es musclé, ça va? Ouais. Non, mais je suis pas. Non, parce que là, en fait, t'es en train de la soulever, elle, et en plus, y'a moi allongé dessus en train de lui faire la ronothérapie. Je te dis, ok, gars, tu soulèves là. Non, moi, je dégage pas. Je suis en train de la soulever. Bon, c'est pas grave, ça fera du poids. Tu peux la soulever ou pas? Yes. Avec elle, en plus. Ouais. Ça va, c'est un lac, ça. C'est 40. Ça va, c'est 40 kilos. Je reprends conscience quand même. Ça passe en plus, voilà, oui, allez. Tu reprends conscience avec dans les bras de Spinal et avec un lynx allongé sur toi en train de ronronner. Je suis en mode. Et instinctivement, du coup, je me mets à pleurer. Voilà. Et je ne vais faire que ça jusqu'à la fin de la session. Bah, je lui lèche les larmes.
Du coup, je remonte avec les deux là-haut. Alors, en passant, le gag. En passant devant Philippe qui s'est barré. C'est oui. Philippe qui est en caleçon, mais reviens. Je me suis rhabillé. Je me suis rhabillé, mais tu sais, je suis parti discrètement, tu sais, genre. Ah, par contre, tu ne rentreras pas dans cette pièce. Attends. Il faut que je trouve un endroit. Pourquoi ? Pour tringler l'autre encore une fois ? Oui, absolument. Quel bâtard. Mais quel bâtard, merde. Vraiment. Bon, on est en bas ici, c'est pas bon. Pendant que vous commencez à vous balader, vous voyez Philippe qui montait les escaliers, qui court, entend les bruits de qui court à l'étage, qui court ailleurs, qui est descendu par les autres escaliers, qui s'est dit ah merde pas par là, qui remonte en courant. Alors juste, je vais demander un truc au MJ. Est-ce que MJ, j'ai le droit de, dans ma tristesse, faire virevolter quelques objets dans les airs? Oh, fais gaffe, je te tiens hein, quand même dans ta... Non, on va éviter. À l'approche, genre, des tonneaux, les tonneaux font genre... D'ailleurs, Spinal. Sans Jane. Sans... Bientôt, c'est la première heure de session. Il va bientôt être temps de buter tous les autres et de te... parler. Oh, merde. Oh, mon Dieu. À l'aide, au revoir. Je vous aimais. Pas. Tu peux faire mettre ton casque par là. Ah, donc tu remontes les escaliers avec Jane et Emma. Et pendant ce temps-là, tu commences un peu à réfléchir un peu. Je sais pas pourquoi. Tu dis tiens, en voyant un tonneau volé, tiens, c'est intéressant ça. Parce que, vous vous souvenez que vous étiez dans les ténèbres il y a longtemps. Que vous saviez. Tu penses à quoi déjà? C'est bien, vas-y. T'es sûr que tu pensais à quelque chose là juste avant? Oh non. T'avais fait une connexion juste avant. C'était quoi? T'essaies de réfléchir, tu dis. Et tiens, aussi, cet endroit-là, ça ressemble quand même beaucoup à. Ah, c'est bizarre, tu pensais aussi, tu pensais encore quelque chose, là. Ça devait être pas grand-chose, hein. C'est si tout, oui, les trucs comme ça, c'est que ça devait pas être important. Oh, va te faire foutre! Va te faire! Maverick! Oui? Maverick, par la piscine! Ouais, yes, yes. Bah, ah, c'est bon. Voilà, attends, y'a... Y'a Jake qui est en train de... Oh, arrête de danser, la contasse. Salaud. Pardon. Bon, non, je suis en train d'imaginer me trouver Valdis. Voilà, du coup, là, vous êtes remonté à l'étage, tu as un Spinal qui te transporte, Jane et aussi Sakara sur Jane. Et qui avait l'air de réfléchir à quelque chose pendant un instant, mais ensuite tu as arrêté. C'est pas important. Je dis juste, c'est bon, tu peux me poser, je vais marcher. Okay. Je redescends, et je suis la petite troupe. Et je vais me remettre sur l'avant du bateau en ne regardant surtout pas à côté de moi cette pétasse. Je fais une petite explosion de rage où juste je fais genre tu sais comme une enfant qui crierait genre je fais des canons tu fais ça. Et juste après avoir fait ça, tu tournes la tête à gauche. Et je te regarde comme ça, Captain. Et j'avance. Et je vais m'asseoir. Je me retourne vers Sakara, je fais... Mmh.
et je me mets mes écouteurs et... À ce moment-là, quand je vois Philippe à côté passer, je le vois en mode... Putain, mais toi aussi t'es là, c'est pas possible. Héros, t'as déconné, ah merde. Quoi? Mais t'as déconné, bordel. Mais non, mais c'est Eleanor. C'est très bien que, voilà, Eleanor, voilà. Je dis au cas où, je marche paisiblement et d'un coup je lui fais un saut, je lui pète le genou par l'arrière, comme ça tu tombes à terre, voilà, et je me barre. Chut. Voilà. Qui a entendu votre petite discussion, Philippe? Qu'est-ce que t'as fait, toi? Bah, il se passe qu'on peut pas avoir une vie privée, quoi. C'est dingue. Je peux pas baiser. Alors, en même temps, tout le monde était derrière la porte et a ouvert un grand coup. Enfin, tu vois, genre. T'es pas censé. Qu'est-ce que vous entendez par vie privée? C'est un concept que vous ne connaissez pas vous non plus. Non mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ça peut vouloir dire plein de choses, vie privée. Non mais je veux dire, voilà, ne pas être dérangé. Dérangé en train de quoi? Bah justement, le concept de vie privée, c'est aussi de garder les choses pour soi. Pourquoi vous reculez quand j'avance? Non, c'est qu'il est en train de recharger les canons. Ah, ok. J'ai cru qu'elle était en train de... Eleanor, qu'est-ce qu'il a fait, l'autre con, là? Mais j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait, si, mais... Elle ne vous regarde pas. Et voilà. Oh, bah, il m'a... Il m'a invité dans mes quartiers sans me préciser qu'il était avec quelqu'un déjà. C'est plus compliqué que ça. C'est vrai que techniquement, la session où ça s'est fait, il y avait une histoire de couple libre, mais j'ai un doute. Merci de ton soutien. Je n'approuve pas, donc, mec, t'as quand même déconné. Ah non, oui, mais... Et puis, je suis un lynx, je ne peux pas parler. Mais merci de l'avoir précisé, parce que c'est vrai que c'est hors jeu. Alors, je tiens à le dire, je le dis en tant que joueur, oui, mon personnage a dit ça. C'est toujours une gamine de 15 ans, hein. Oh, elle a pas 15 ans, gros, arrête. Alors, très clairement, je n'ai pas envie d'être ban, un pour zoophilie, et un et deux pour pédophilie. Dans ce JDR, toutes les relations sont légales. Ok, c'est une famille de 18 ans. Ouais, c'était légal, toi, avec ton mec, t'avais 13 ans, il en avait 23. Je dis rien. Maverick, ça te dit, on fait du Animal Crossing de côté, on les laisse démerder. Ouais, je pense. Se mettre dans la sauce. Ah, je m'approche de Jane. Je fais, ah, c'est cool qu'il n'y ait pas des navires à droite à gauche, j'aurais bien fait le tir au pigeon avec les canons. Ouais, rajoute pas toi non plus avec les chasseurs, hein, sans déconner. Et toi, ça va, Spiner? C'est vrai que j'ai pas pris trop de temps à parler avec toi. T'es quand même mon seul ami sur ce bateau. Ah, merci. Merci, c'est gentil, hein, va te faire foutre. Hein. Et Sakara, là. Alors là. Non, attends, je reformule. T'es le seul plus vieil ami que j'ai, avec... et parmi mes amis, bah toi, Sakara et Balmena. Ah, voilà. Okay. Voilà. Écoute, c'est pas comme si j'étais mort au moins. Oh, j'ai perdu le compte à force. Je suis vraiment désolé. Je sais pas quoi te dire. Je n'arrive même pas à concevoir comment tu tiens, mais. J'aimerais avoir un peu de ton courage parfois. Ouf, tu sais. À force, je me dis, vaut mieux que quelqu'un le fasse, sinon personne le fait. Donc. De quoi? De mourir? Ah, disons, parfois il faut. D'ailleurs, j'ai appris un truc intéressant avec la madame de la tour là, celle qui est en lien avec la magie ténèbres, voilà. Il s'avère que ce que je faisais, c'était pas la nécromancie. C'est quoi? Bah, la magie d'esprit, apparemment. Comme moi? Yep. Particulier, mais. De toute façon, ce monde est tellement bizarre que je n'arrive même plus à être impressionné par ça. Mm. Et je pose la main sur l'épaule de Spinal. Non, arrêtez. Rangez vos fanfictions. Et je dis juste... Magie de l'esprit, intéressant.
Sortez d'où ? Je dis par rapport à ta vie et à tes morts. J'espère qu'un jour t'auras le droit à une vie normale aussi. Oh, t'as quelle époque après tout ce bordel, j'espère avoir des grosses vacances. Je pense qu'on prendra tous des vacances. On en a tous besoin. Je partirai loin et je prendrai du temps pour moi. Peut-être avec Sakara si elle veut bien. Et si on survit, pour l'instant faut qu'on survive comme ça. Et du coup, quoi la magie des esprits, c'est intéressant, Mami Nova ? T'avais pas remarqué qu'elle était là ? Non. En fait, tout le monde s'est ramené. Je pense un peu à autre chose. Et en quoi c'est intéressant, la magie d'esprit ? Oh non, c'est juste de la magie brute, c'est pour ça. Mais Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Non, j'écoutais juste. Vous vous ennuyez, c'est ça ? Pour l'instant, j'attends qu'on arrive à destination. Si ça aurait plus tardé. Ça aurait plus tardé, Va exactement. On va dans une ville. Il fait une tentative de ville. D'accord. Vous verrez quand vous y serez, ce sera plus simple à expliquer qu'à expliquer là-bas. Et on peut savoir pourquoi on y va, parce que vous nous avez dit de sauter dans un puits. Il y a des questions qui restent sans réponse quand même. Quand est-ce que, par exemple, je pourrais en apprendre plus sur mon chant de sirène ? Chant de sirène ? Intéressant, vous pouvez développer. J'ai appris récemment que j'étais une sirène. Je suis l'une des filles de la Trinité. Intéressant. Vous déjà au courant de laquelle ? Mais vous êtes déjà au courant de tout ça ? Oui, c'est vrai, j'avais oublié, j'avais oublié. Oh putain de merde ! C'est pas elle. Comment ça vous avez oublié ? Comment je m'appelle ? Jane comment ? Jane de Valaris. Miaou ! Je suis la fille de... Attends. Je suis la fille de... Taisez-vous. Putain, c'est où ? C'est merde. Ah, voilà. Je suis la fille de Oriana. Intéressant. Intéressant. Pourquoi ? Non, juste comme ça, c'est bien de connaître ses alliés. Mais vous nous connaissez déjà ? C'est bien de mieux les connaître. Tu fais... Mais arrêtez, arrêtons de poser des questions, nous arrivons à destination. Non. Pas de soucis, tu fais... Oui, très bien. Enchanté de vous connaître. Pas besoin de ces formalités là, on s'est déjà rencontrés. Oui, mais ici, vous l'avez dit vous-même, des amis ont besoin de se connaître. Enfin, on a besoin de connaître ses alliés, alors je tenais à tâter la douceur de votre main. Oh oui, tâte. Pas besoin, et de toute façon, on arrive. On arrive à la destination. Je me lève et je fais, j'insiste. Je fais bien ça à la fille de Oriana. Je ne connais pas suffisamment Oriana pour me permettre de faire ce genre de choses. Et de toute façon, vous n'êtes pas la fille d'Oriana, vous êtes la fille d'Araël. Non, je suis la fille d'Oriana. Arrêtez votre petit jeu. Et pourquoi vous avez posé la question alors ? Je voulais vous juger. Me juger par rapport à quoi ? À rien. Répondez à la question. Je ne suis pas d'humeur à jouer avec une vieille. Qui n'est pas vieille. Est-ce que j'ai l'air d'être vieille ? Bon, moi j'y vais. Moi je peux dire un truc à Eleanor ou pas avant qu'on arrive ? Oui, tu peux dire quelque chose.
Ah, je voulais m'excuser quand même, tu vois, c'est... Voilà, gentleman. Bah, Lénore, je suis... Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Ah, mais attends, je vais... C'est pas vraiment qu'il faut s'excuser. Non, mais oui, mais si vous voulez, Jane et moi, nous sommes effectivement proches, mais il n'a jamais été question d'exclusivité entre nous. Et comme j'ai été captivé par votre beauté, voilà où nous en sommes. Alors, je n'ai jamais voulu lui faire du mal, je ne voulais pas non plus vous mettre dans l'embarras. Ah, alors, voilà, je tenais quand même à vous présenter. Après ça, il n'y a pas de fortes chances qu'on ne se repasse pas. Ok, vous allez rester. Oui, non, mais je. J'espère quand même que voilà, vous pardonnerez. Et puis, ça se trouve, on se reverra peut-être. Hein. Pas exclu. Mais oui, je vais évidemment aller lui parler. Mais je crois que le moment est un peu mal choisi. Pour l'instant, j'ai pas envie de mourir tout de suite. Je vais reparler un peu avec Spinal en privé dans quelques instants. Oh non! Et moi, juste avant que je m'éloigne pour aller rejoindre les autres. Je glisse ma main dans ses cheveux et voilà, un petit moment. Ah, elle t'attrape pas mal. Ah, bah, je me casse. Aïe. Alors, nous repassons à Spinal. Oh, tu fais chier, j'ai déjà eu une possession. Je tourne toujours autour de, de l'archer, Balmeno. Pardon. Ah, pardon. Tu es en train de parler avec Jane, t'as vu la... l'email disparaître devant toi. Tu sais, cette discussion t'intrigue un peu. Comment ça vient? Ça, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'elle posait cette question et qu'ensuite elle disait, elle a dit la réponse. C'est... Je sais pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce que fait Hélène aussi? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Quelles sont les chances que dans l'infinité de la taille que fait le mien, vous la croisez elle? Spécifiquement, pourquoi est-ce qu'on est croisé avec quelqu'un que vous connaissez? C'est bizarre. Mais... T'es en train de penser à quelque chose, là? Non? Si, tu pensais à Éléonore. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Et ça, tu t'en souviens, cette question que tu te poses. Tu t'en souviens. Mais t'as l'impression d'avoir oublié d'autres choses. D'autres choses en plus que les mots. En plus des moments où tu as commencé à te poser des questions que tu oublies tout le temps. Des choses plus anciennes, avant que vous tombiez dans le puits. Tu te posais déjà des questions à ce moment-là. On émute les autres. Jane, on met les casques. Jane, faudra que tu me fasses quelque chose. Attends, quoi, pardon. Oh, les formules, elles sont magiques. Bah oui, par pitié. Mais... C'est bon, j'ai entendu. Offre-lui des sons. Ah si, c'est bon. Non, mais... Il faudra que tu ailles dans ma tête. Pourquoi faire? Un mauvais pressentiment. Je lève la patoune. Je fais oui, si tu veux. Je prends la tête de... Spinal. Et je fais un tête contre tête. Puis viens là, regarde-moi dans les yeux. Fais-moi un jet d'intelligence avec un malus de 40. Oh le bâtard. 50 ou moins. Ouais, ça s'est daté. Passe. Ça s'est d'intelligence. J'en ai marre d'être dans ces combines de merde. Passe. Par le pouvoir de Saruman. Pourquoi est-ce que je t'ai mis un malus? J'avais même pas besoin de te mettre de malus. Oui, ça passait pas dehors. Je retente. Alors, car je suis le MJ. Très bien, retente. Ça passe. Alors, dans quelques instants, je vais remettre tout le monde. Le temps il est déjà tard. Oui, non, t'inquiète pas. Si on vous savait. Bon, les gars, ça va, tranquille. Alors,
On enlève les casques et je mute tout le monde sauf Jane. Ah, mais moi je suis. Quoi, mais, c'est pas, mais c'est pas passé. Ah. Mais c'est pas passé. Si, c'est passé 43. Mais je fais pas. Mais, j'ai, mais le premier jet n'est pas passé. Le premier jet n'est pas passé, non. Mais t'as réussi, donc on va dire ça passe. Oh bon. D'accord. Roule. Ok, ok. Je vais laisser Spinal entendre. Ah, merci. Merci. Bah oui, on est dans le sac à BFA. Du coup, vous entendez une musique que vous entendez depuis tout à l'heure, non? tu attrapes sa tête, tu la colles contre la tienne et tu te connectes à son esprit. Tu revois, tu vois tout ce qui s'est passé. Et c'est vrai que tu commences à sentir qu'il y a quelque chose de bizarre ici. Tu revois le moment où Spinal s'est posé des questions sur Eleanor juste avant. Il s'est posé des questions sur qui déjà? Et tu t'es connecté à qui là déjà? T'as l'impression d'oublier quelque chose. C'est bizarre. Ça ne fait pas être grand chose. Si tu l'as oublié si facilement, ça n'allait pas être important. Non, je force. C'est pas normal. J'oublie jamais rien, j'ai demandé félon. D'ailleurs, t'es sûr d'avoir oublié quelque chose qui s'est passé sur le bateau là juste avant? On va peut-être demander à Philippe. Est-ce que lui il sait ce qui s'est passé? Non, j'ai oublié. Attends. HRP, j'ai oublié du coup? Oui, t'as oublié. Oh non, c'est chiant du coup, vraiment c'est grave. Hein. Oh non, ça me fait chier d'avoir oublié. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Ok. Donc, tu te déconnectes. Et au bout de quelques instants, tu te souviens de ce que tu avais oublié. Tu te souviens de ce que tu avais oublié. C'est ouais, quand même genre... bizarre que tu l'as oublié. Il a vraiment... C'est chiant parce que chaque fois des gens que je démute, il y en a d'autres que j'entends pas. Ah. Je regarde Valdis et je fais Valdis, il y a un problème pendant un instant, j'avais oublié que Philippe. Et là, je fais. Non, en fait, je l'ai oublié. Mais j'avais oublié quelque chose et c'est revenu. C'est trop bizarre. Comme s'il y avait un poison dans ta tête, quelque chose qui te faisait oublier. Et moi, j'ai l'impression que je mets certains points de détail importants. Pendant que vous commencez à réfléchir au long. Même pas au loin, juste à côté, je sais pas comment vous avez fait pour ne pas le remarquer, vous voyez une espèce d'immense ville faite de métal. Vous voyez des gens avec des marteaux en train de taper pour accrocher d'autres bouts de métal, pendant que vous voyez d'autres bouts de métal se détacher et disparaître dans le néant. Vous voyez ce que je vois, les mecs? Vous voyez ce que je vois, les... Non. Ouais, c'est particulier. C'est Fortuna. C'est notre destination. On apparaît, vous, espèce de parasite. Je sais pas comme ça. On va bientôt arriver à la maison. Comment ça, à la maison? Quelle maison? Chez moi, et chez l'autre elfe. J'ai hâte d'y être. Et l'autre elfe, quoi, Balménor? Vous rendez même pas compte que vous êtes déjà arrivé et que vous êtes déjà descendu du bateau. Vous êtes dans la ville. Wow. Un espace là. Attendez, comment ça va? Je suis parti un peu en lambeau. Wow, c'est chaotique un peu. Mais comment ça, on est chez Balménor? Tu vis ici, Balménor? Oui. Le Faucon Millennium. C'est vraiment le Faucon Millennium en plus. Oui. Mais. Tu viens vraiment d'ici, Balménor, premier degré. Ah, premier degré. C'est chez moi.
Non, tu te souviens pas, tu te souviens pas de cet endroit, mais tu te sens chez toi par contre. Oui, c'est ça. Mais pour mon perso, enfin, hors RP, moi je suis obligé de le jouer en disant que c'est chez moi, vu que je le ressens comme ça. Oui, voilà. Tu vois ce que je veux dire. Okay. Mais pourquoi ils construisent un truc qui se détruit? Ils sont complètement débiles, ces gens. Alors ça... C'est quoi cette structure métallique? C'est moche. Eleanor, pourquoi cet endroit est... Et on dirait qu'il a été saccagé. Ouais, c'est quoi ce truc? Cet endroit n'a pas été saccagé, c'est juste le néant qui est tout en bas. Ça, c'était les combinaisons qui appartenaient à... qui étaient là quand le truc est arrivé ici. On retape continuellement pour qu'ils se détruisent. D'accord. Mais on vit ici, c'est plus sympa que ce qu'on peut voir. Ouais, bah je suis pas sûr que ce pauvre type soit d'accord avec vous. Non, alors, il n'est pas mort, il avait dit au début, il avait dit, il n'y a pas de cadavre. En fait, ici, vous voyez que vous ne voyez rien, il n'existe rien. D'accord. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est toi qui dis ça ou c'est... Non, c'est MJ qui dit ça, pour la simple raison que la map correspond à ce que je voulais, ce qui est un cadavre, et j'ai pas pu enlever le cadavre, donc... Ok. Comment est-ce possible qu'un tel lieu existe sans qu'on en ait la connaissance? Il y a des portes partout, c'est immense! Hein? Oh! Oh! Viens voir, non, me touchez pas, vous. Viens voir, Spinal! M'en voulez pas, l'autre m'avait pas dit, pas pour vous et lui. Je m'appelle Philippe et il va falloir qu'on discute, toi et moi, Jane, après, hein, parce que. Tu me dis un peu, Spinal? Du coup, oui, c'est sympa. Hein. C'est vrai que c'est très sympa ici. J'ai trouvé d'autres salles d'ailleurs. Et qui là, mademoiselle? Les sièges sont très confortables. Et juste, je grimpe sur le dos de. Tu sais, je joue avec Spinal, je lui grimpe sur le dos. Papa! Là en bas, il y a d'autres salles. Vous entendez quand même au-dessus des gens qui tapent, qui reconstruisent l'endroit, et qui chantent en groupe. Tu peux prendre ton bouclier dans ta main parce qu'il pique un peu les fesses. Ah. Oh, je saute sur le lit d'ailleurs, et je fais Balmédor, pendant quelques instants, tu te mets à siffler la même chose que ce que lui chante de la mer. Automatiquement. Instinctivement. Ouais. Comme ça paraît évident. Comme la maison des poupées. Boink. Allez, boink. Allez bien vous faire foutre les mecs. Balmédor, ça paraît assez évident que tu te sens chez toi ici, mais... Tu pourrais pas nous en dire un peu plus sur cet endroit? MJ Balmédor, peut-être. Je te parle. Tu pourrais pas nous en dire un peu plus sur cet endroit? Il est évident que tu te sens chez toi ici. Bah, il me semblerait, oui. Moi, je me sens bien chez moi, mais est-ce que réellement on est chez moi? C'est plus rien de m'étonne. Pas vraiment dire le contraire. Bon, c'était sympa de sauter sur les lits pendant un quart d'heure. Attends, c'est quoi ça? C'est des espèces de petits coffres? C'est des casiers. Oh! Prends le loup. Et Léonore, à quoi sert ce truc? À quoi sert... J'ai trouvé les chiottes. Ces espèces de touches, ces genres de... Rien. C'était là à l'époque où tout que t'arrivais. Je crois qu'on m'a dit que c'était pour piloter, mais... T'as trouvé ça, Sakara? Attends, on entend le véhicule... Les chiottes! Le quoi? Attends, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Le véhicule est quasiment entièrement détruit, donc forcément, ça va se... Véhicule? Vous voulez dire que ce truc enfin, c'est un moyen de transport? Oh oui, quelque part dans l'infini. Un genre de bateau, un peu comme le vôtre, mais... Avec une architecture totalement différente. Un peu plus de fonctionnalité, je dirais. Et vous avez déjà eu l'occasion de voir ce genre de véhicule en état de marche? Non. Venez revenir les copains, il y a un truc là. Là, venez. La couloir qui continue. Ah merde, c'est l'espace. c'est le sas de sortie. Bon, attendez. Je vois tellement le truc, c'est il ouvre la porte. Et il y a ma... Et bah, non,
trouves la porte en laissant fouiller, puis bah tu vois le vide derrière, il se passe rien. Parce qu'il n'y a pas d'air ici. Ah, il n'y a pas d'air ici. Qu'est-ce que tu veux que la pression t'aspire? Là, du coup, on fait comment pour mais... Jade, du coup, on est mort. Jade, tu sais, quand elle ouvre le sas, Jane quand elle... oui, excuse-moi. Quand Jane, elle ouvre la porte et qu'elle part dans l'espace, tu sais, t'as la musique de Ulysse 31, tu sais, dans l'espace, la musique stridente, là. Ah, moi, j'avais la musique de... Moi, j'avais la Jeanne, musique de... Jeanne, tu nous fais des cafés, Jeanne. Elle est où, Jeanne? C'est qui? Ah, c'est la grosse. Bonjour, madame la grosse. Ah là, pour tout, vous pourrez pas en charger des canons. Il y a pas de canons ici, mais... Il y a des trucs amusants. Il y a quoi comme truc amusant? Ça, mais... ça, quand on arrive à rétablir le courant, ça tire. Oh mais... Le courant? C'est quoi le courant? Une sorte de magie? C'est l'énergie qui alimente l'endroit. Ah! Excusez-moi. Excusez-moi, madame. J'ai pas saisi votre prénom. Je suis l'amiral Cyrus. Nami? Très bien. Cyril MP4. J'ai été extrêmement déçu. Cyrus! Hein? Pardon, on me dit Cerise. Quand vous nous... Cerise X, Xbox. Mais quand vous nous avez présenté... T'es fatigant, Xelma, sans déconner. Vous avez présenté la magie du plomb. Ma magie du plomb. Pourtant, on est devenus un peu bleus, là, tous. Parce qu'il y a des lumières bleues. Nous sommes devenus des schtroumpfs. Oh, je suis la grande schtroumpf. Parce qu'on manque d'air. Du coup, on devient tout bleu. Ouais, comme Geoffrey quand il s'est étouffé. Oui. Mais. Pourquoi on. Mais qu'est-ce qu'on fait ici du coup? Ah, ça, j'en sais rien. C'est l'autre. C'est l'autre meuf qui était avec vous qui nous a demandé d'aller ici. Oui, bah oui, mais elle est où d'ailleurs? L'email? La Minova? Non. C'est pas d'ailleurs, moi je me rends compte. Je me rends compte qu'on la voit pas, nous non plus, là où est-ce qu'on est, je vais demander. Bah, elle était là il y a encore un instant. Hein. Vous savez enfin, pas où est passé où vous savez pas où est passé mon maître Olimé. J'ai fait une petite sortie dans l'espace, voilà, j'en reviens. Oui. Mais l'email. J'ai bien envie de monter à l'étage parce que j'ai l'impression que c'est là-haut que ça se passe. Ah, il y a un étage. Il n'y a pas d'étage. L'email. Bon, l'endroit où ça chante. Si, il y a un étage, mais pour les besoins des maps, il n'y a pas d'étage. L'email, j'ai fait des raviolis pékinois, venez, l'email. Balménor, est-ce que tu saurais pas où est-ce qu'on peut, rejoindre l'étage? Parce que je m'aperçois que Maître L'email n'est pas là non plus. Et... Non, mais en gros, on peut. Bonne question. Le c'est de nous dire gentiment qu'il n'y a pas d'étage. Oui, c'est ça. Si, ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il y a un étage, mais on ne peut pas y avoir accès depuis cette map-là. Il faut juste qu'on demande à y aller. C'est bizarre, ça. Bah, il y a l'ascenseur. Oh, la porte est fermée. Bien, on va passer de l'autre côté, c'est pas grave. Allez, on va retrouver les autres. Bizarre. Hein? Oh. Ok, là, ça commence pas à me plaire. Reste avec moi, hein. Ouais, okay. Je peux défoncer les portes. Je pars à durer Azmar. Hein? Vas-y, je sors mes couteaux. Oui, tu sors tes couteaux. Oui, bah, faut commencer à tabasser les portes, mais elles sont très résistantes. Pendant ce temps-là, au sommet du vaisseau, il n'y a pas le Minor et le Mort et. Et Philippe, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Bah, je demande à Balménor, moi. Mais on ne peut pas rejoindre l'étage. Comment on pourrait rejoindre l'étage pour rejoindre bah, du coup, les gens qui chantent, là? Bah, le problème, c'est que là, je sais même pas, quoi. Moi-même, je sais pas. Passer par dehors. Et, au pire, Philippe, tu peux essayer de passer par les deux portes qui sont sur le côté à droite quand tu sors. C'est Léonore qui me parle, là. Oui. Okay.
Ok, vas-y, je vais. Très bien, bah je vais essayer, je vous dis si ça marche. J'y vais du coup. C'est les portails. Ok, ouais, vas-y. Au secours, Philippe! Ah, au secours. Enfin, non, pas Philippe, mais au secours, il y a quelqu'un? Ah, bah. Ah non, je ne peux pas. Ah! Au secours. Merde. J'ai l'impression d'avoir honteusement été piégé, je le savais, hein, je l'avais pré-shot, mais. Les gars! Philippe, la porte s'est fermée derrière toi. Ouais. Tu entends un gros bruit. Ok. La porte en face de toi s'ouvre. Ok. Oh putain de merde! Ok. Ok. Merci, c'est ce que j'attendais. J'attendais la musique. Pour ceux qui voulaient entendre la musique alors là, de Ulysse 31, que je parlais d'espace, c'est celle-là. Ouais. Non, ça fait vraiment Dark Vador. Qui rentre et qui rentre voilà. Comme ça. Ça... Fais un DC Spartan! D'accord. Et tu me dis quand est-ce que je peux. Ok, je peux reculer si je veux. Sauf que j'ai pas l'intention de reculer. Au secours! Je vais reculer! Non. Et alors ici c'est 5G. Pourquoi je suis enfermé? Putain, le pire c'est 80. Oh, la stade de 90. Attendez, les gars, attendez. Pourquoi je suis enfermé, moi On est tous enfermés. Donc, vous tous, vous entendez des bourrons, d'épées qui sont en train de trancher l'acier. Philippe, en face de toi, il donne des coups, tu arrives. Est-ce que tu les esquives? Est-ce que tu veux les dévier? Je vais les dévier avec la dextérité. Voilà, c'est ça. Je vais les dévier, ouais. T'es en mode 2. Fais-moi tes 5G pour dévier. 5 descend. Oui. Ouais, d'affilée ou à part un D'affilée, comme lui. Ok, très bien, c'est parti. 5 descend. Du coup, je sais pas comment. Tiens, bien plus. Bah, tu cliques dessus, t'as toute la série. À combien d'extérité? J'ai 70. Oh merde, t'en as loupé deux. Il y en a deux qui passent pas, ouais. Putain, il te donne un coup, tu le dévies. Il tranche un des murs, à ta gauche. Il continue son coup pour t'en mettre un autre. T'arrives à le redévier. Il retranche un autre. Pense à reculer avec tous les coups qui te portent. Troisième coup par lui, le sas a été entièrement coupé. Ok, ouais, il a été déchiqueté dans le. Tu te prépares à donner un autre coup. Enfin, pas dévier un autre coup, mais tu n'arrives pas à dévier. Ok. Il a combien de dégâts déjà? Oh putain. Il te prend 18 dégâts dans la vie. Ça fait mal quand même, hein. Ça fait un peu mal. Ça va, ça pourrait être pire. Ça pourrait être un D10 plus 80. Non, mais je sais. 90. Mais je m'en sors bien, mais ça fait un peu mal quand même. Voilà. Au même moment. Ah oui, bah j'allais me la faire. Dans le couloir d'à côté. Lui, il y a l'email qui apparaît. Devant Spinal Edge. Elle est comment? C'est un piège. Et la porte s'ouvre en même temps. Jamie, tu vois Sulmar et Philippe en même temps se battre. Ça va continuer le combat entre Sulmar et Philippe. Ok. Elle est où la barre de vie de 10 km de long? Attends, deux secondes. Dis-moi, Dieters. Hélas, tu te prends un autre coup de ce nom. Bah, je suis mort. Un coup à 0 de dégâts. Ah, ok, bon. Pas mort. Donc, il me fait rien. Mais est-ce que je peux faire quelque chose? Le coup frappe ta lame et ça arrête. Du coup, ça ne te fait aucun dégât. C'est ta tête. Tu essaies de reprendre ton souffle, tu veux reprendre ton souffle, tu veux agir. Mais à ce moment-là, il continue d'attaquer. Ouah, wow, putain, vache. Donc je refais ça. Oh, il a fait deux. Et il a échoué le deuxième. Il a fait 99 et 93.
Ouais, mais derrière, il a fait un 2. Son premier coup. Son premier coup, il veut te la interrompre. Mais tu arrives à le défier, à le faire s'écraser contre cette porte. Ok. Et à lui infliger un coup. D'accord. Je lance mes dés ou pas ? Tes dégâts. Je dois faire mes dégâts. Alors, mes dégâts. l'épée. Attaque. Non, autre formule, des fois tu cliques sur autre formule. Ah merde, bah j'ai pas fait ça. Bah écoute, ça passe. Je lui fais 123 dés. Ok. Oui, c'est vrai, faut faire other formule. Mais ça va être que ça, mais. Oh, ça oh, va! Juste. En vrai, il a juste 10 000 points de vie. Il a juste 10 000 points de vie. Juste après avoir fait ce coup, il pose son pied contre le mur et se tient debout. À l'horizontale sur le mur, s'apprêtant à t'apprêter un autre coup, ça va te foutre un autre coup. D'accord. Est-ce que je dois faire des jets de défense ou pas du tout ? Fais-moi en 4. Ok. 93 passes ? Il a 95 de stats ? Il a 95 de stats. Oui. Oh l'enculé. Et moi j'ai fait quoi ? J'ai fait 16, 5. Ah putain, par contre, 74 et 82 les deux derniers, pas mal. Alors, par contre, le 82, aïe. Il arrive à dévier son premier coup, il saute, il a l'air comme lui de marcher dans l'air du plafond. S'apprêtant à te sauter dessus pour te mettre un autre coup. Tu arrives à dévier quasiment parfaitement ce coup-là. Et tu le fais tomber au sol. Yes. Je vais lui mettre un autre coup si tu veux. Ah ouais, avec plaisir, j'y vais à grand coup de Satan là. Je le défonce. oui, pardon, mon attaque. Et là, je vais faire Other Formule. J'y pense, on fait pas le jet d'initiative aussi. Non, là, c'est un combat fini. Ok. Là, c'est 106. Ah, ta lame arrive à percer un peu son armure, mais juste après lui avoir infligé ce coup, il fonce sur le mur en face, saute dessus, remonte au plafond, et se met à marcher en cercle dans le vide, à courir en cercle dans le vide pour t'attaquer. Dommage que la porte elle est fermée parce que je vois rien du tout. Mais désélectionne ton perso et tu verras tout. Je fais quoi ? Oh shit, je vois tout. Sélectionne dans le vide et en fait ça désélectionne ton perso et là tu verras toutes les visions de tous les personnages. Comment tu fais ça ? Tu cliques à côté. Tu sélectionnes dans le vide. Ok, je viens de comprendre. Ok, merci. Comme dans les jeux stratégie. Pendant qu'il court, tu vois sa lame, les différents morceaux de sa lame se séparer et commencer à se déplacer indépendamment les uns des autres. Ah, dans le vide. Ah, j'étais sûr que c'était un truc comme ça, c'est sûr. J'étais sûr. Il y en a juste deux qui sont restés et il s'apprête à te mettre un coup à la gorge. Donc là, j'ai une possibilité de faire quelque chose, moi, de base ou pas ? J'ai une possibilité de dévier. Ok, bah vas-y, je dévie alors. Pareil, dextérité. Parti. Et ça ne passe pas. Comme par hasard. Bon bah rip. Il va te mettre un coup à la gorge. Bon bah. Et faisant ordre. Tranchant la gorge. Oh. Et alors que tu devrais t'effondrer sur place, tu restes debout. Son mari est derrière toi et s'apprête à réattaquer. Il ne te laisse aucune seconde de répit. Et dans ce départ, pour son premier coup, il va essayer de te transpercer au cœur. Ouais, il est dos à moi en plus, donc je suis open, quoi. Ouais. Tu peux essayer de dévier son coup. Tu vas me faire ça, tu vas me faire 5G. Okay. 5 décents. Et là, t'es la débandade.
Il y en a aucun qui passe. Ah si, il y en a que il y en a. Si en fait ils passent tous sauf un, j'ai rien dit. Il y a le sauf premier, le premier. 96 qui est un échec critique quoi. Salam. Il est sur le point de te transpercer le cœur, mais tu te retournes et tu dévises son attaque, réussissant à ouvrir une fenêtre pour l'attaquer. Alors que j'ai la gorge tranchée. Toujours. Tu n'as pas de gorge tranchée. Ok. J'ai un moment là où tu vois, je percute pas trop ce qui se passe, mais du coup, bah vas-y, je l'enchaîne. Je l'enchaîne parce que bah il faut l'enchaîner là. Est-ce que j'arrive à activer mon pouvoir quand même ou pas déjà? Juste que je me fasse une idée là. Tu peux activer ton pouvoir. J'aimerais bien faire ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est l'activer, mais tu sais, de manière constante. Mais le problème, c'est que Soumar ne te laisse pas le temps. Ouais, ok, ouais. C'est ça que je voulais savoir. Il ne te laisse le temps que de réagir. Ok. Ça va être long comme combat, fait, c'est il ne peut rien il faire. Il commence à mouliner avec sa lame tout en tourbillonnant dans le vide en courant. Ouais. Et ça s'apprête à t'attaquer 5 fois d'affilée. Ok. Comment il s'appelle déjà? Comment ça s'écrit Soumar déjà? S-U-N-M-A-R. S-U-N-N-A-R. S-U-N. Je n'ai pas trouvé quoi que ce soit, c'est un nom original. Donc du coup, je fais quoi là? Pareil, je relance 5D encore? Je relance 5D. Oui, comme ça se dit quoi. Merde, attends, j'ai mis 6. Attends, c'est pas bon. Voilà. Allez, là, c'est pareil, il n'y en a qu'un qui passe pas et c'est un échec critique. D'accord. Le premier pas, tu dévises son premier coup et tu es en train de te prendre le deuxième coup. Cependant, tu ne sais pas. Pendant un instant, tu arrives à défier son autre coup et tu dévies tous les coups. Ah, j'arrive à tout dévier. Et tu arrives même à lui donner un coup de pied et à le pousser en arrière. Bah, c'était ce que je voulais faire en plus, donc ça me va très bien. Et il ne t'attaque pas. Il y a tous les morceaux de lame qu'il évitait qui se sont ramenés sur son épée. Et je vais demander à Jay, Spinal, Sakara de faire un jet de sagesse. Ah, 50 ou 50. Oh! Oh merde, j'ai 4! La connaissance absolue de tout ce qui se passe, je sais tout! J'ai une salle de 80, j'échoue comme une merde, mais non! Bah, moi, c'est pas tout, moi. On mute tout le monde, sauf Jane, pendant quelques instants. Ah, moi aussi! Non. Ah, ouais, mais mec, la réussite critique, elle est exceptionnelle, là. Jane. Oui. Tu as suivi tout le combat. Oui. Et tu as remarqué que sur la lame de Soumar, tous les fragments qui se sont limités, la pointe de la lame est restée. Et tu la remarques parce qu'elle est juste devant toi, mais elle est pointée vers toi, mais sachant que Soumar vient de rassembler toute son épée, elle est sur le point de revenir vers l'épée. Et entre toi et Soumar, il y a quelqu'un qui s'apprête à se faire transpercer de derrière par la pointe de l'épée de Soumar. Je me bats, me mets entre. Je me mets entre. Tu veux pas utiliser genre tes pouvoirs pour essayer de la maintenir? Non. Non, j'ai mieux. Très bien. Non, attends. Je vais laisser la lame agir, mais je vais coucher Philippe au sol avec mes pouvoirs pour que la lame arrive directement dans la gorge de Soumar. L'âme n'arrivera pas dans la gorge de Soumar. Il va revenir dans son épée pour finaliser l'épée. Ok. Je couche Philippe, je pousse la lame. Dans Soumar. Très bien. Et là, pour le coup, j'ai quand même envie de s'en aller. Je peux pas avoir un petit peu. Hop. Fais-moi un jeu d'intelligence. Ok.
Allez. Je ne te dirai pas si tu as un bonus ou pas. Alors. Eh, franchement. Vraiment, il y a quelqu'un qui va me sucer la bite ce soir. Je sais pas ce que t'as fait, mais un petit réussite critique comme ça, là, c'est pour. Écoute, si Sakar retrouve sa forme humaine, ça peut s'arranger. Tu es en garde contre Sunmar. Je l'écris ou pas? Et alors que tu t'apprêtes à l'attaquer, tu te fais jeter, tu te fais pousser au sol par Jane, et tu en relevant rapidement la tête, tu vois le bout de la lame de Sunmar voler au-dessus de toi, là où se trouve ton cœur. Et au moins, en même temps, Jane pousse ce bout de lame pour pas qu'il n'atterrisse dans la lame de Sunmar, dans la gorge de Sunmar. Oh, beau gosse. En fait, en gros, juste t'explique. En fait, quand il avait désassemblé son épée, il y avait un bout de la lame qui était derrière et qui allait juste transpercer en deux. Ah, il a laissé volontairement un truc derrière pour... Ok, exact, d'accord, je vois. Exact, et en fait, je l'ai vu, et c'est pour ça que j'étais très content de faire le 4, parce que vraiment, je t'ai sauvé la vie. Ouais, j'avoue. Ouais. Le bout de la lame se plante dans la gorge de Sunmar. Oh! Elle fait mal, son épée, hein. Et encore, c'est un petit bout, hein. Tu peux avancer, faire quelque chose, ou... Et il est un peu, enfin, il n'est pas, il ne pourra pas agir ce tour-ci vu que. Oh bah, je peux activer mon pouvoir, j'ai le temps moi du coup là. Oui, tu peux. Alors je veux le faire comme je t'ai dit, je veux l'activer de manière constante. Très bien, fais-moi un jet. C'est un jet de quoi? Je ne sais pas, à toi de me le dire. Bah ça sera un jet de force. Pas besoin, m'en fous, peu importe, ça passe. Mec, c'est incroyable que quand même le destin soit tombé sur moi qui fasse deux réussites crédibles. Putain, je suis trop. C'est clair. J'avoue que là. Là donc j'ai fait 15. Tu ressens comme une forme de vitesse dans tout ton corps. Ouais. Tu as l'impression d'appartenir à l'endroit où tu te trouves. Oh. Ok. Et tu bouges un tout petit peu et tu remarques une chose, c'est que tu sais que tu as bougé, tu le sais. Ouais. Mais tes sens ne se sont pas encore rendus compte. Tu vois, tu entends et tu sens la même chose que ce que tu sentais juste avant, mais tu te déplaces quand même, tu le ressens. Je me déplace plus vite que moi, enfin que ma propre perception en gros. C'est ça. Waouh. Ok. Et là, je peux pas y aller, essayer de l'enchaîner un max comme il a essayé de me faire là tout à l'heure. Je vais essayer. Bah vas-y, let's go, je veux lui faire un enchaînement. Je voulais aussi faire un truc pour essayer de t'aider, mais... Bah si tu veux, vas-y, dis-moi. On peut faire une action combinée, je pense. Je voulais, en même temps que tu l'enchaînes, le plaquer contre le mur, comme ça tu peux lui faire venir un... Ah bah voilà, let's go, parfait, vas-y, viens, on fait et ça, bah, en vrai, ouais, bah, on fait ça. En fait, au moment où tu te relèves, je fais ensemble, et je le plaque contre le mur, comme ça. Bien, ça passe instant, il y a toujours l'effet de ta réussite critique qui passe. Ok, et moi je dois faire quoi, du coup dans les yeux, et je regarde ce même dans les yeux, et je fais, voilà ce que ça fait, et là, il y a... Philippe, tu enchaînes sous moi, il ne peut rien faire, et au même moment... Au même c'est le témoin. On va passer à quelqu'un d'autre. Tu me diras c'est quoi les dégâts que je dois faire alors. Pendant ce temps-là, un faux squelette. Pendant ce temps-là, pendant toute la session, je me fais la gonzesse. Hein. Je reste dans le placard. Oh non. Allez. Franchement, super arc pour Balménor, c'est nickel. C'était pas l'arc de Balménor de toute façon. Ah non, moi, vas-y, attends, moi je me mets sur la rouquine, j'en ai rien à foutre. Voilà, clac. Voilà. Tu vois tout arriver. Tu vois tout. Et tu te dis. Tu te souviens de tous les trucs, toutes les questions que tu t'es posées juste avant là, tu t'en souviens. À propos du fait que normalement. Enfin, tu te souviens maintenant que la toute première question c'était dans les ténèbres.
Vous n'aviez pas de magie. Pourquoi là vous en avez ? Ensuite, le néant tel que vous êtes actuellement, bien que différent de ce que vous faisiez, a l'air basé sur ce que vous vous souvenez. Qu'est-ce que fait Eleanor ici d'ailleurs ? Elle était sur un bateau, comment est-ce qu'elle a atterri dans le... Pourquoi est-ce que vous la croisez, elle, ici ? Pourquoi est-ce que... Et en plus, l'architecture de ce vaisseau, ça ressemble quand même beaucoup hein, au vaisseau elfique qui vous aidait. C'est comme si tout ce que vous voyez actuellement était basé sur ce que vous avez déjà vu. Et d'ailleurs aussi, ce souvenir que tu as vu chez Soulmar, qui est... ne fait aucun... Depuis quand Soulmar a un manoir ? Et depuis quand tout le monde se rassemble, depuis quand toutes les personnes, toutes ces personnes importantes, puissantes, se rassemblent dans un manoir pour comploter ? Il y a quelque chose qui cloche. Et tu commences à te dire que tout cloche. Dès que vous entrez en contact avec... Et surtout, pourquoi est-ce que dans la brume, vous n'avez pas été affecté ? Et c'est là que tu commences à te dire... Et si vous avez été affecté par la brume ? Et si vous n'en étiez jamais sorti ? Et ce souvenir de Soulmar, vous l'avez vu en vous connectant à Soulmar lui-même qui est un être de ténèbres. Dès que vous touchez aux ténèbres, il y a des choses insensées qui commencent, comme si on essayait de vous mettre sur une fausse route, de vous faire croire des choses qui ne sont pas. Et là, d'essayer de vous faire croire à une réalité, vous gagnez. Non. Une vérité, vous savez, tu vois ce mort en train de se faire vaincre. C'est trop simple. Vous l'avez déjà combattu. C'est trop simple pour que ce soit pour que juste un seul pouvoir de Jane puisse l'arrêter d'un coup comme ça. Vous l'avez combattu juste avant. Vous n'êtes pas sorti des ténèbres. Vous y êtes encore. On est dans la brume, mon corps. On n'a pas bougé. Voilà. Et c'est sur cette révélation que je vais démuter les autres. À ce moment-là, je m'approche de Jane. Je fais stop, il y a un truc qui ne va pas. Il y a tout qui ne va pas dans le scénar. Les gars, il y a un truc qui ne va pas. On n'est pas sortis de la brume. Mmh. Désactive ton micro, frérot. Enfin, réactive ton micro, frérot. T'es toujours mute. On n'est pas sorti de la brume. Ah ouais, mais dans ce cas, ça veut dire qu'on est même pas ensemble. Ça veut dire que... Ça vous fait pas penser à quelque chose, ce vaisseau ? Et là, je m'adresse à Jane et Philippe. Le vaisseau des elfes ? Oui, justement. Putain de merde, j'en étais... C'était trop beau pour être vrai. Et là, à ce moment-là, je me retourne et tu crois que ça te paraît pas bizarre, t'es autant eu de facilité à deviner l'attaque de Soulmar. C'était pas facile du tout, là. Du coup, techniquement, ça veut dire que Philippe n'a pas trompé Jane. Et sans compter... L'intention s'est trompée. Est-ce que celui-ci s'est trompé? Et qu'est-ce qu'elle fout là du coup, elle ? Eleanor. Et même le bateau, c'est le seul moment où elle a vu, c'est quand on est arrivé dans le pays de... comment il s'appelle ce... l'empereur de... De Shihai. Mais... Tout ce qu'on voit là, c'est des extraits de ce qu'on a vécu nous. Ouais, il y a quelques petites choses refoulées, hein. Attends. Non mais, du coup, il a arrêté de taper sous le mar, l'autre. Oui, effectivement, t'as entendu tout ça, Philippe, et tu as arrêté de taper sous le mar. Mais, attends, tu penses qu'on est dans la brume ou on est dans la brume ? On est toujours dans la brume. À aucun moment on en est sorti. Et à aucun moment ça nous a rien fait. On s'est fait avoir. Mais si on est toujours dans la brume, ça veut dire qu'on n'a jamais sauté dans le puits. Ça veut dire qu'on n'a jamais
était emmenée par la reine sorcière et Limei. À aucun moment on en est sorti avec les villageois. Mais comment on s'est fait bercer d'illusions comme ça? Ça veut dire qu'on est quelque part sous la ruine. Les gars, vous m'entendez? Depuis tout à l'heure, je suis mute. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Au fait, c'est ce que tu... est-ce que je peux parler? Ou je peux toujours miauler? Non, tu ne peux pas parler, tu peux faire que miauler. Ah merde. Miaou, miaou, miaou. En entendant ça, parce que du coup, j'ai participé à la conversation pour ça que vous m'entendiez, mais bon, bref, on va faire comme si. Du coup, je me touche la gorge, c'est là où j'ai pris le coup tout à l'heure, tu vois. Je prends mon épée et je me la plante dans le cœur. Malade. Dans le bide. Alors, tu prends quelle épée? Je prends l'épée, le katana légendaire. Le katana, très bien. Fais-moi descendre. Ça craint un peu. Non, ça craint pas là. Laisse-moi aussi moi faire un dessin. Là, ça craint par contre. Mais attends. Ouais, là, ça craint là. Par hasard, non, mais il a pipé son dé. Mais. Il peut piper ses dés. Mais comme par hasard, genre, on est dans le putain de brume. Et... oh, vas-y, mais nique. Et sans côté, quand on est. Tout à l'heure, on a été dans le vide. À aucun moment on avait nos pouvoirs à ce moment-là. Moi mon cœur est transpercé là, moi c'est. Non, quand on était dans le vide la dernière fois, on ne pouvait pas servir nos pouvoirs. Et toi tout à l'heure, quand par rapport à ce qui s'est passé Philippe, t'as pu t'en servir. Bah même là, oui, en fait, mais... oui, même là, normalement on peut pas. Bah oui, mais normalement j'aurais dû mourir. Et je suis pas mort. Donc. Oui. Tout cet endroit est faux. Tout ce c'est pour ça que je me transperce le cœur. Alors, rappelez-vous, tu avais dit. Tu sens ton talent. On te transperce le cœur. Ta lame a l'air de briller. Ah. Ok. Et tu ne sais pas pourquoi, tu as un réflexe. C'est de la planter au sol. Ok. Oh merde, c'était pas une de ces attaques en saison 1, ça? C'était une de ces attaques en saison 1. Si. Non. Non. Tu la plantes au sol et il y a une espèce de torrent de magie qui s'écoule et qui repousse la brume. Waouh! Let's go. Vous êtes dans le fort. Ok. Mais pas en tant qu'allié. Ce fort est bien réel. Mais vous attaquez. Fort. Ah putain, en fait ils se sont servis. On est devenus ce qu'ils étaient avant que toi Jane tu libères l'email. On était sous son contrôle. On était sous son contrôle et là je viens de nous libérer. On était en train d'attaquer fort à la place de le défendre. T'imagines, c'est il y a ça dépop comme ça sur le château et tu sais tu vois Balmenor, il est comme ça. Il est comme ça. Ah, par contre, j'ai un petit souci de token, donc on va faire une petite pause tout de suite. Allez, vas-y. Juste pour qu'on voit un petit bout de crâne. Non, les gars, je vous jure que c'est ça. En fait, on était sous le contrôle mental du témoin de la brume, et c'est pour ça qu'on attaque le fort. On était censé le défendre, et en fait, on l'attaque parce qu'on était sous le contrôle. Et là, je viens de nous libérer, et on est revenu à nous. Et là, je me retrouve à mieux, c'est pour ça qu'à mon avis, c'était ça les trucs que j'essaie de, me faire oublier. Surtout, je peux vous dire que vous savez. Tout ce qui s'est passé dans l'université académique est réel. Ouais, c'est quand la brume est allée dans l'université que là vous avez fait avoir. Ok. Okay. Mais je croyais qu'on pouvait pas être influencé par la brume. C'était aussi une illusion que ça. Oui, on s'est fait avoir. Je reviens du coup. Rapidement. On vient littéralement de passer 2 heures à faire un truc qui n'existe pas. Genre. C'est très frustrant. Alors, techniquement, ça c'était censé durer toute la session, mais je me suis dit, on va fusionner une partie de la prochaine session dans cette session là parce que en vrai, ça aurait été chiant de faire 4 heures de juste ça qui n'existe pas. Ouais, En vrai, ça aurait été intéressant.
Ça aurait été intéressant, mais... Ça aurait été intéressant que juste à la fin, tu lui dises « Bah en fait, tout était faux, vous avez perdu genre 4 heures, et là on est en mode... » Ça aurait été très frustrant, mais ça aurait été génial. Mais c'est bien ça aussi. C'est bien, du coup, on va pouvoir passer à autre chose. Mais... Alors par contre, effectivement, j'ai plus les tokens des soldats sous le mars, c'est des images PNG maintenant. Souvent. On est en pleine pause, là? Oui, là, on est en pause, on est en pause. Ah, ok. Bon, bah, je vais ranger okay, tout ça. Ok, bah, je vais prendre un truc à bois. Enfin, je vais faire pareil. je vais essayer de retrouver les tokens des guerriers de Soulmar, puis je prends un copain. Mais du coup, quand j'ai utilisé une capacité de l'épée, je l'ai débloquée. Bah, tu n'as pas à débloquer la capacité de l'épée, là, mais tu sais que l'épée est liée au suaire, maintenant. D'accord. Yeah. Et que si dans les dans l'item vous n'avez pas de magie, mais là si vous aviez eu de la magie, c'est seulement parce que tu avais l'épée. D'accord, ok. Ok, d'accord. J'ai toujours dit, elle est géniale cette épée. Oh ouais. Bon, tu sais quoi, Nick, sa mère. T'es clairement craqué. Enfin, ton épée est craquée. Mais ce qui est intéressant, c'est que. Putain, Soulmar, mec. Enfin. Putain, mais. Mec, je suis dégoûté que ce soit pas vraiment arrivé en combat, qu'on ait pas pu faire ce qu'on a fait. Ouais, dégoûté, c'est dommage, mais... parce que l'action était stylée, en vrai. Non, vraiment. Mais t'inquiète, on va. On essaiera de la refaire. En fait, ce qui était beau, c'est que. On était un peu genre, enfin moi j'étais en froid avec toi, que en gros c'était genre en mode vas-y je te sauve parce que j'étais, ah mais c'était trop bien. Bah en fait ça change rien. Ce qui compte, ce n'est pas que ce soit arrivé ou pas, réellement, c'est que vous l'avez vécu. Ouais voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui. J'aurais quand même une petite rancœur sur le reste, mais c'est juste que, waouh, c'était ça, vraiment cette scène, elle était, pour le coup c'était une scène cinématographique de fou genre. C'était très genre en mode il n'y a que moi qui peux te sauver, genre les pouvoirs. Je suis extrêmement content que c'est toi qui fais la réussite critique et que tous les autres aient échoué, surtout que tu fait la réussite critique et tous les autres aient échoué. Je suis ultra content que ce soit passé comme ça. Mais mec, tu vois, je reviens dans 2 minutes. C'est vraiment des scènes qui sont genre trop beaux, mec. Ça enfin, trop belles, pardon. Ça donne vraiment des trucs jolis et tout, tu vois. En fait, je pensais, on est dans son live, on a oublié de faire la sponsor. Petite sponsor de la peinture Citadelle, peinture justement utilisée pour faire du noir. Vous savez quoi, j'ai pas de logo, mais ce live est sponsorisé par Magic World. Et je sponsor sur le live de Maric mon JDR dans le JDR de Dieters. Et là, Dieters, normalement, il me regarde, il me fait nique ta mère. Non, je ne suis pas aussi prévisible. Non, tu prends juste ta malice de 80, mais t'inquiète. Surtout TG jusqu'à la fin de la campagne. Au fait, Dieters, oui. Quand est-ce que j'ai mon enregistrement pour demain? Je ne crois pas que je dois faire le résumé en mode de Jean-Michel Doublage. Ne t'inquiète pas, il est fini. Ça va bien passer. Mais j'attends demain pour te l'envoyer. Ok, de toute façon, tu sais quoi? Tu me l'envoies... Quand on se réunit tous en vocal 25 minutes avant, tu me l'envoies à ce moment-là et je ne l'écouterai pas comme ça. Ok. C'est pas très long de le mettre sur Roleplay. J'ai juste à le télécharger et bam. Oh non, mais t'inquiète pas, c'est comme mettre sur Foundry, c'est rapide. Oui, non, mais c'est bon, on le fera à ce moment-là. Mais comme ça... Parce que j'aimerais bien qu'en fait, la session, j'ai pas prévu beaucoup de choses à la prochaine session. J'aimerais bien qu'on ait le plus de temps possible pour que vous puissiez faire le plus de choses possible. Enfin, il y aura beaucoup de blabla, donc forcément. Bien qu'on prenne ce temps. J'avais fait des vrais tokens pour les soldats sur moi, mais je les ai pas oubliés, donc on va faire les tokens comme ça, parce que j'arrive pas à les retrouver. Des putains de gardiens d'Aedric. Retournez au dimension de mort. Écoute, Soulmar, c'est mon premier perso Skyrim, donc forcément que son armée, ils ont des armures d'Aedric. Tac. Je reviens tout de suite. Putain, il y a une scène supprimée de Return of the King où on voit Sauron, mec. Sauron en forme humaine, incroyable.
Bah ouais, il avait son corps, mais ça a été retiré. C'est dommage. C'est même pas dans la version finale. Bah tu sais, ça fait partie des tas d'éléments, parce que par exemple, un truc tout con, mais dans la version originale, en fait, il n'y a pas de description physique de Sauron. Donc il est pas censé être en armure. Le mec, il est censé être littéralement en poil, en fait. Son seul habit, c'est l'anneau, en fait. Mais c'est censé être une créature énorme. Enfin, énorme. Un colosse de 2-3 mètres, quoi. Ah. L'ultime trahison, du coup, ce sera aujourd'hui. Putain, un coup sur Célimay ou la Red Sorcière. Mais du coup, les sœurs de Pravos, on les a pas vues. Oui. En fait, le nom des sœurs de Pravos, c'était justement pour vous faire croire que vous allez vraiment faire quelque chose, alors que c'était 100% les ténèbres et une illusion. Mais les sœurs de Pravos, c'est un vrai truc, par contre, de Pifoploc, que vous allez croiser et peut-être et qui a peut-être même un lien avec ce que t'as fait, juste que t'as fait avant. Que j'ai fait avant ? De quoi ? Bouder à Warren ? Chanter. Mais est-ce que je vais avoir d'autres occasions de chanter ou pas ? On a d'autres occasions de chanter, effectivement. Tiens, du coup, sponsor, réel sponsor Coca-Cola. Écoute, juste que je télécharge une chanson absolument nécessaire. Je savais, j'avais dit qu'il allait devoir encore télécharger un truc. Putain, c'est vrai qu'il était censé avoir un combat. Putain, c'est dommage que c'était sur un combat Aragorn Sauron. J'aurais adoré voir ça. Après, ça dépend, c'est dans l'œuvre originale. Oui, c'était dans le... Je sais pas. Il meurt à la fin, Faramir, j'ai oublié s'il mourait. Non, Faramir, il vit. Il sort c'est le frère de Boromir, il vit. Oui, et puis il se tape la sœur, la fille du roi. Oui. Ouais. Oui, oui, oui. Mais c'est supprimé, ça. Non, ah non, on les voit au mariage. C'est dans la version longue. C'est dans la version longue. Ouais, on les voit dans le mariage. Et oui, on les voit à la fin dans le mariage de base. C'est sous-entendu, quoi. Oui. J'ai aussi raccourci le moment d'Aethena parce que j'avais trop hâte de l'ultime trahison. Vraiment, j'avais trop hâte pour la laisser. Pour devoir attendre de 3 semaines pour la faire. Tu vois, Dieters, justement, quand on... Ça, je te le dis, quand on arrête, il faut bien planifier nos sessions pour qu'il y ait des sessions prévues pour le dégoût des joueurs. Tu aurais dû faire une session entière où on était au fond du gouffre. Je suis là pour vous faire souffrir, mais pas souffrir, mais vraiment souffrir, pas vous laisser... Et lui en tirer du plaisir. Ah non, ah oui, mais... absolument, mais... Ça se voit qu'il joue Eldar. Un jour, vous allez souffrir dans Magic World. Non, alors, non. Les Eldar ne font pas tout souffrir. C'est seulement les Drukhari. Oui, pardon, oui. Attendez, Eldar et Drukhari, on est dans quoi, là ? Warhammer. Warhammer. En gros, les Drukhari, c'est les elfes noirs et sont dans des gros délires sadomaso. Techniquement, la souffrance des autres, infliger les souffrances à une âme, pour eux, ça leur régénère leur âme. Donc ils sont obligés de faire ça pour survivre. Et toute leur société est basée sur le fait de faire souffrir les autres. Après, je rappelle, c'est un peu à cause de leur gueule qu'ils ont fait donner Slaanesh, mais bon... Ah oui, ils ont créé Slaanesh, mais involontairement. Ah oui, mais du coup... Leur espèce baisait tellement qu'ils ont créé le dieu des excès. Oui, voilà, c'est juste pour ça à quel point ils sont cons. Ah mais sans déconner, non, enfin... en gros, dans Warhammer 40 000, tu as ce qu'on appelle les dieux du chaos, t'en as 4, dont du coup Slaanesh dans le tas, et Slaanesh, attends, 4 ou 3 ? 4, Korn, Korn. Celui des maladies, il y a celui complètement taré, je oublie son nom, Tzench, et Slaanesh dans 4. Ouais, c'est bon, 4, et en fait Slaanesh c'est le dieu du plaisir. Mais quand c'est plaisir, ça peut être à la fois sexuel, mais ça peut partir dans les délires très loin, genre dans le plaisir de... En fait, c'est plaisir, mais c'est aussi beaucoup l'excès. Tous ceux qui finissent la neige, ils vont faire quelque chose à l'excès. Genre par exemple, t'as une légion de Space Marine qui font de la musique. Ils font de la musique tellement dans l'excès que ça liquéfie les organes des gens. Oui, bah, les Imperials, les Emperor Children.
Non, les Open Children, eux, c'est dans full hédonisme, dans full... Bah justement, Dieter, c'est les Emperor's Children qui ont été corrompus par Slaanesh. Oui, et c'est eux qui ont la troupe de Space Marine avec les guitares. Ah, oui, bah, désolé les mecs, mais j'ai essayé d'appeler mon beau-père, il est pas rentré, ça commence à m'inquiéter, je sais pas. Tu veux l'appeler? Bah non, je l'ai déjà appelé, mais il répond pas. Ah. Bah c'est le rappeler si tu veux. Non mais c'est déjà appelé, je l'ai appelé trois fois là déjà. Pourquoi tout le monde s'arrête au chiffre 3? 9. Parce que tu l'appelles une fois pour prendre des nouvelles, deux fois pour la peur, trois fois pour la résiliation. C'est comme ça que tu passes des appels téléphoniques, t'appelles pas une personne quatre fois, c'est vulgaire. Moi j'appelle sept fois. Ouais non mais ouais, c'est bon, on verra. Parce que 7 c'est un beau chiffre, c'est un bon chiffre. Non, 9. Allez, on y va. Pardon. Ah bien. Allez, alors commençons. Reprenons. Par ta gueule, toi. Un flashback. Oh merde avec ces flashbacks de con. Pardon. Dans le passé. Oui, effectivement, dans le passé, c'est le principe d'un flashback. Non, t'imagines un flashback dans le futur? C'est un flash forward, du coup. Et imagine, c'est un flashback où t'as Sébastien Bach qui pop. Non, c'est un flashback d'un flash forward. C'est-à-dire que tu vois le flash forward, mais que t'avais déjà vu avant, et du coup, c'est un flashback d'un flash forward. Et sinon, t'as un flash de Théo Babac, c'est Théo Babac sous forme de flash. Un flash de vodka. Sinon, nous sommes sur une planète, nous sommes sur la Terre, et il y a une femme qui porte une veste en cuir rouge, qui essaie de protéger un homme, on ne voit pas, la musique ça marchera mieux, de quelque chose. Autour, il y a d'autres gens. Non, par contre, la musique, s'il te plaît, déclenche-toi, s'il te plaît, je peux pas faire la description sans problème, merci. Ce quelque chose vole dans le ciel. Un immense phénix fait de flammes noires. Tout ce qu'il y a en dessous de lui disparaît dans les cendres. Et il s'arrête et pousse un immense hurlement, réduisant tout en cendres en face de lui. La femme essaie tant bien que mal de résister, mais sa chair est déchirée, avec en dessous des plaques de métal, et un long voile non transparent. Les autres personnes autour, elles aussi, ont leur peau déchirée, révélant soit des créatures atroces, soit parfois des personnes correctes. Et autour d'eux, la planète est détruite, le monde entier, la gravité cesse d'être. Et cette femme essaie tant bien que mal de protéger la personne en dessous d'elle. Mais il y a très peu des cendres autour d'elle. Des cendres de ce monde. Et entre ses mains, des cendres de celui qu'elle aimait. Et toutes ces choses qui sont maintenant devenues des yeux s'apprêtent à attaquer ce phénix. C'était le flashback. Mais qu'est-ce que c'est la description du monde, de l'ancien monde. C'est surtout la description de la naissance et les plaques en métal et le long voile bleu transparent. C'est une description que je fais tout le temps pour la divinité dansante. Non, c'est la divinité dansante. C'est la divinité dansante. Ah putain, tu m'as fait. Mais Alt, elle est transparente et rouge. Ouais, même, je me rappelle que Alt, elle était en plusieurs parties, qu'elle avait une partie qui était un peu bleutée. Oui, je sais, mais elle était surtout. Non, mais les plaques en métal et le long voile bleu, c'est le truc simple. Oui, mais Dieter, le problème, c'est que tu ne nous décris jamais tes personnages. Donc, si tu veux, plaque en métal, unité bleue, moi, j'aurais pu te dire. Mais j'ai fait plusieurs fois la description de Divinity Ensemble, j'ai toujours sorti le voile bleu. Non. Alors laissez-moi juste retirer la barre de boss.
Qui a le mauvais nom, je crois. Oh, il a le bon... Enfin, oui, il a techniquement le bon nom. Ah. Alors, après, c'est des scénarios qui étaient censés avoir plus d'impact que ça, ce que vous ne vous souvenez pas des PNJ de mon scénario. Moins 10 points pour Gryffondor. Votre père n'était qu'un salaud. Allô. N'est-ce pas, pote? Vous êtes... Pote. Vous êtes dans la forteresse et en même temps, vous voyez d'autres soldats sous-marins en train de se battre avec l'Imei. En train de se faire réduire en cendres par l'Imei, pour être plus précis. Et de l'autre côté, la reine sorcière. Les portes ont été détruites. Et il y a Et surtout, les soldats qui sont autour de vous sont libérés de l'emprise de Sugma et sur ce point se fait attaquer, comme vous. Qu'est-ce que vous faites? Alors attendez, juste une seconde. Les quatre bus. Je l'ai vu. Je crois que mon beau-père vient de rentrer, donc du coup j'ai pas écouté, désolé. Il y a l'email et la reine sorcière qui s'apprêtent à capote à vous attaquer, vous et les soldats de Sugma qui ont été libérés à côté de vous. Les quatre là qui nous encerclent. Stop, 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 c'est nous, on est là, on est revenu. Alors tu dis ça au moment où la lame de l'email est prête et sur ta gorge. Ouais, moi j'arrive pour la défendre. Je m'appelle Jane de Valaris, je suis une alliée, mon but est de détruire le témoin, je suis revenu. L'email, c'est moi. Maître, on est de retour. Je crois que vous avez pas compris, il est toujours sous son contrôle. Non, elle pense que nous on est sous son contrôle. Non, elle pense qu'on est sous son contrôle. Rentrez tous et défendez les portes et défendez les murs, les portes ont lâché. Bien reçu. Soldats, vous êtes avec nous? Ils sont très confus. Il y en a qui étaient des fermiers. Ils savent pas ce qui se passe. Je prends les deux soldats là, je leur mets une main chacun sur l'épaule. Confucius de pensée, aidez-nous à nous battre. Arrêtez de vous poser des questions. Reprenez vos esprits, défendez la porte. C'est ça. Pour Héroïndas. Tu remarques... Héroïndas. Ils n'ont pas l'air de comprendre ce que tu dis. Moi je leur dis par la pensée, donc ils comprennent. Toi quand tu leur dis, vu que tu parles une langue très spécifique, ils savent ce que tu dis. Ah putain, ouais, je viens de capter. Ok. Eux deux, du coup, ils sont avec nous, là, les deux cocos. Actuellement, tous les soldats jusqu'aux portes extérieures sont avec vous. Ok. Mais... Je me mets devant eux, je fais « Soldats, écoutez-nous !» Et je leur dis « Il faut nous aider à défendre cette cité. Si vous ne le faites pas pour nous, faites-le pour votre honneur. Faites-le pour défaire cette terre en prise d'un mal qui bien trop longtemps s'est installé. Faites-le pour vos familles, faites-le pour ceux qui ont encore des choses à défendre. Pour Frodo ! Ah, pardon, mauvais univers. Ils rentrent et ils se mettent à défendre, ils se mettent en position à peu près. Tu remarques que ce sont pas des soldats expérimentés. Il y en a beaucoup qui ne savent même pas comment tenir leur épée. Juste avant, ils savaient comment tenir leur épée. Je me tourne vers Philippe, un regard un peu amer. Et je me reprends et je dis, Philippe, tu arriveras à leur donner des directives? S'ils comprennent pas ce que je dis, ça va être compliqué. Mais je vais leur montrer plutôt, ça sera plus simple. Spinal, tu viens avec moi à l'avant et Balmenor, tu nous soutiens avec un nuage de flèches. Balmenor ! Miaou ! Ouais, c'est au milieu de la salle, miaou ! Oh oui. Putain. Soutiens-nous avec un barrage de flèches, tu leur tires dessus pendant que moi et Spinal on est devant et Jane derrière vous nous carry. Et les autres ils vont nous voir faire et ils vont suivre le mouvement. Je vais essayer de nous protéger un maximum avec ce que je peux de magie. Ouais, dites-leur. Je dis aux soldats, suivez les instructions de Philippe et de Spinal. Ils vous montreront comment vous battre. Les gus de la porte de droite par contre, ça se passe comment? Ils sont pas gentils. Ici là? Ouais. Ouais, eux ils sont pas du tout gentils là. Ok, faut leur rentrer dans là. Je vais prendre le côté là. Philippe, avec eux, attaquez.
Est-ce que je suis ou je garde l'autre côté? Bah garde l'autre côté du coup. Et Valménor, comme ça tu viens m'aider avec moi. Mmh. Tu m'envoies des flèches. Et l'email, nous avons combien de temps? Très bonne question. C'est pas une question de combien de nous on attend, mais combien de temps. Pour combien de temps ils ont des soldats? Je dirais quelques dizaines d'années. On n'a pas de renfort. Putain, oui, c'était dans l'illusion, ça aussi. L'email, hey. Reculez. Attends, Dieter, j'ai besoin d'une explication technique, là, pendant deux secondes. Genre, les gars qui sont avec nous, là, ils ont été libérés en même temps que nous, c'est ça? Oui, ils étaient à côté de vous quand tu t'es... Très bien. L'email, je crois savoir comment utiliser l'épée. Je vais essayer de les faire venir, eux, là, tous, là. Essaye de réavoir la même chose que t'avais fait, que t'avais eu avec l'épée, mais il se passe rien. Bon, et ben tant pis. J'active mon pouvoir comme j'ai fait tout à l'heure en mode, tu sais, constant. Et puis, bah, ensuite, initiative. Alors, de table et tout est... pardon. Alors, l'initiative va être compliquée. Ah, d'accord. Nous passons tous en combat. J'ai très peur pour l'interface là. Oui, voilà. Effectivement, oui. Là, je vois que la neige vient de s'arrêter. On est peut-être pas loin d'un crash du truc. Ah ouais, pendant ce temps-là, derrière moi, les quatre soldats qui sont derrière moi, je leur dis, vous quatre, recouvrez-vous tous, regroupez-vous derrière moi. Je traduis, je dis, regroupez-vous derrière lui, épée droite pointée vers le ciel. On se met en garde, position jambes d'appui vers l'avant. Oh, c'est l'ordre des tours. Eh bien, je dois vous dire que je ne vois rien et que je dois donc recharger la page. Tout ton écran. Regarde. Non, mais en fait, ça a planté. Ça a planté parce que moi, je... Ah oui, je peux plus contrôler mon... Ouais, je peux plus contrôler mon token aussi, je vais recharger. Oh ouais, je relance. Mais c'est à trop de tours, là. On en a pour des semaines. Non, les tours seront rassemblés. Ok, je vois tous les trucs qui s'affichent en haut, un à un. Tac, 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 tac. Je les vois, genre c'est interminable. Pap, 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 pap. Est-ce que je peux bouger déjà? Oui, je peux bouger, c'est bon, c'est réparé. J'ai refresh la page aussi. Je vais commencer le combat. Ok, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait, MJ? Il y a un tour d'initiative pour nous ou est-ce que c'est genre chacun son tour? Je sais pas, dis-nous. Bon, le combat ne veut pas se lancer, du coup, on va faire ça autrement. Ah oui, oh putain! Oh mon dieu! Oh mon dieu, il y a tellement de cartes! Ça ne s'arrête jamais! Mon dieu! J'ai à peine la moitié! Il y en a combien là? Attends, il y en a genre. J'ai pas compté. 50! 100! Bon, peut-être pas non plus. Bon, bref, c'est pas grave. Comment on procède? Vous procédez et moi je vais essayer de les distraire parce que je peux pas faire grand chose concrètement. Je peux pas faire des batailles rangées moi. L'email qui va nous aider à sauver la situation, n'est-ce pas l'email? C'est un peu faible l'email. Prends soin de l'email, s'il te plaît. Bah elle avait déjà lancé, t'avais fait 61. Ah, oh, attendez, laissez-moi refresh la page. Après, le deuxième, elle a fait 30. Donc, techniquement, c'est réussi. Laissez-moi supprimer le combat. C'est interminable, gros. Frère, t'as pété un plomb. Ah, mais t'inquiète, ça va le faire. T'inquiète, bro, il gère pas. Dieters, moi, je n'ai qu'un seul mot pour décrire la trahison que tu viens de faire, c'est inculé. Très bien, alors là j'ai un gros problème, c'est que j'ai fermé la page. Et ça ne veut plus se lancer. J'ai toujours la musique. C'est classique ça. Je l'ai fermé puis la musique. La musique continue, voilà. C'est bon, la musique s'est arrêtée pour recouvrir. Wow. Alors effectivement, non, c'est pour plus tard. T'as peut-être un peu abusé sur ce coup-là, Dieter. Bah écoutez, j'y suis allé à une petite fourchette.
Enfin là c'est pas une fourchette. Il va falloir raccourcir la fourchette. Ah c'est même plus une fourchette là, c'est une louche là. Ah non c'est une fourche, c'est juste une fourche. Tout simplement. Bon. C'est les fourches qu'il y a à l'avant des tracteurs là, voilà c'est ça. C'est ça qu'il a pris. Un râteau frère. Râteau. Les mecs qui range ça là, qui met son bras gauche dans son dos, qui met son bras droit sur le côté comme ça, et qui va tuer très exactement. Elle est où, en haut, en face de moi. Trente bibus. Ah oui, elle est là, ok. Mmh 1209 soldats. D'accord. Allez, moi aussi, je vais faire ça. Et toi, tu vas avoir 3 points de dégâts en se battant en duel. Tu as encore de la marge, mon élève. Tu vas former des paysans, mon chaton. T'inquiète, on va voir, on va voir, on va essayer. On va Mais moi, je forme personne. Je ne forme personne à la guerre. Moi, je vais essayer. Hein? Non, mais il sait que tu vas... Ah, donc, l'IA actuellement s'occupe de la porte avant. Elle s'occupe très bien. En fait, vous n'avez rien vu. Tout ce que vous. En face, vous avez vu, sur toi, Jane, Balmenor, et puis ça, etc. C'est que, d'un coup, elle a disparu, et puis il y a une espèce de filament qui est apparu, créant là, une trajectoire qui a passé à travers tous les soldats, et ils se sont tous fait trancher en deux. Et vous la voyez plus loin. Toujours dans cette position, toujours dans cette posture là. Ouais, trop classe. Côté comme ça. Elle a trop la classe et je sais ce qu'elle a utilisé. Allez, vas-y. Mec, c'était pas le truc de la saison 1 où il y avait un truc qui tranchait tout. Si. C'est exactement c'était... ça. Mais il me l'a dit, il me l'avait déjà dit moi, il m'avait déjà expliqué. Moi, mais je vas-y. Un jour, un grand philosophe nommé Ousmane Dembélé a dit. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait nous? Est-ce qu'on fait un tour de table général ou avec un jet à l'arrache comme sur Roll20 ou... Alors bah, ça va, dit Roll20 c'est de la merde. Je vais faire un truc simple, c'est que les personnes... Je vais sélectionner seulement les joueurs qui vont entendre un combat et puis deux connards. Ok, vas-y. Au pire, un connard, tu fais un truc très simple, tu notes sur une feuille 10 connards et voilà. Hein. Voilà, là c'est mieux là. Oui, j'ai juste rajouté le dans le combat. Oh. Ah, je t'ai pas sélectionné, désolé. Ouais, voilà, je suis passé vous. Oui. C'est parce que j'ai pas cliqué, je suis trop con. La reine sorcière. Que j'ai une. Ouais, faut que tu cliques sur le perso. Sur le truc en haut. Quoi. Voilà, que tu fasses ça. Oh, rejoujou après mon amour. Non, tu. Je vais en prendre mes. Nous avons l'email qui va refaire une voiture. Bon. Bien joué l'email. C'est toi la reine sorcière. Je comprends pas la barre. Ah, en fait, la barre, il faut repérer l'espèce de petite barre blanche. Et la barre ça détermine le début slash la fin du tour. Ce qui est à droite, c'est l'ordre, c'est ce qui joue au début du tour. Et à gauche, c'est juste la suite de ce que... C'est comme ça qu'il faut voir. Oh, ok. Ok, Là, c'est à la reine sorcière, du coup. La reine sorcière qui va faire un jet, qui va échouer, lamentablement. Donc, elle pose des runes, elle pose des espèces de runes
Et il enfonce une sous ses pieds qui explose. Ah ouais, d'accord. C'est maintenant que vous avez décidé de ne pas être utile. Vachement comment alors, vous êtes autour des fonds là. Ok, bon bah moi je suis en défense. Avancer et qui vont faire. Et qu'il y a 5 soldats qui vont passer la porte. Très bien, donc nous avons un soldat qui passe, un autre soldat qui passe, lui qui chie la gueule, et le troisième soldat qui passe. Donc sur les 5 soldats, il y en a 3 qui sont passés. Ok. Et qui foncent tous sur Philippe. Philippe, c'est ouais, donc... c'est mon tour là ? C'est ton tour, c'est ton tour. Ok, je veux activer mon pouvoir, comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est bon, j'ai. Ça passe. Et donc assimilé, effectivement. Ok. Donc je suis très rapide et voilà, ok, super. Ouais. Je vais essayer de faire une limeille, hein. Bon après je pense que ça sera moins impactant, mais je vais essayer de faire la même chose. J'essaie d'en avoir le plus possible, tu vois, genre. Et du coup, est-ce que tu vas essayer de copier la même posture qu'elle ou tu vas essayer d'utiliser une épée? Je vais utiliser mon épée, mais avec la même posture, si possible, ouais. Ah, en fait, fais-moi un jeu de sagesse. Alors là, ça craint. Ça va, t'as 40. Ça va, t'as 40, gars, ça passe. Tu sais qu'à cette vitesse-là, avec ou sans épée, tu les traverseras comme du beurre. Ok, bah vas-y alors, let's go. Je fais ça. Ah, tu te mets dans la même posture que les mails avec le bras tendu, avec le bras comme ça. Ouais, je essaye vraiment de faire un mimétisme, tu vois, de ce qu'elle a fait. Et bien du coup, vu que tu la ressens se déplacer, tu sais qu'elle ne fait, elle fait que marcher. Elle marche d'accord. Tranquillement et puis elle passe son bras à travers les jambes. Ok, j'y vais, je fais ça. Et bien, tu marches, tu vas me balancer 2 dessins. Tu as tué 52 soldats. Ok. Dont les 3 devant moi, j'imagine. Tous les 3 devant toi qui soient. Oh la vache, c'est craqué. Ah oui, là, j'ai peut-être retiré les soldats du combat. Ouais, En vrai, laisse ceux qui sont dans le combat et tu vois, genre, retire juste des pions, tu vois, qui... Ouais, non, t'inquiète pas. Alors, du coup, tiens, c'était trop dessus. 2 petites secondes. Hop. Voilà, je suis là. C'est à moi de jouer. Bah, y'a pas d'ennemis, en fait. Oui. Ouais, de ce côté-là, vous voyez à chaque fois, on incline mon deuil. Des nouveaux filaments qui apparaissent et puis bah, des nouveaux cadavres qui. Regardez un peu mes pouvoirs. Très bien. Je vais aller. Je vais aller du côté du coup du fil. Je suis allé plus vers là. Et il y a trois. Il y a 3 ennemis, c'est ça? Là, il y en a pas au niveau qui sont rentrés. Ils se sont tous éliminés. Mais par contre, il y en a plus derrière. Tu peux attendre avec tes pouvoirs. Eh bah. Je vais. Bon, d'accord, ma malédiction, je peux pas la lancer sur plusieurs personnes en même temps. Pas que tu saches. J'ai jamais essayé. T'as jamais essayé de le faire sur plusieurs personnes. Bon, écoute, on a qu'une vie, hein. Je vais essayer. Je vais essayer d'en maudire 2. Fais-moi un jouet. Intelligence avec un malus que je ne te dirai pas. Les 61. T'as de la chance. Je t'avais mis un malus de 39. Précisément. Vraiment 39. Je voulais un nombre au pif, je vais pas mettre 40, je vais mettre un peu moins. Ça passe pas en fait. Ah non, ça te passe pas les 39 effets. Ah non, ouais, donc 10 moins 39, ça passe pas, non. Voilà. Bon, bah fin du tour. GG.
Alors tu essaies de la lancer sur deux personnes en même temps, mais tu n'arrives pas à garder suffisamment de concentration pour en tuer deux en même temps. Tu peux pas en maudire un en moins ou alors les... T'arrives quand même à la matière sur une personne, t'arrives pas à te concentrer suffisamment pour faire sur deux personnes en même temps. Tu peux me faire tes jeux de dégâts pour une personne. Mes jeux de dégâts pour une personne. C'est quand même mes jeux de dégâts. Mes jeux de dégâts de la malédiction. C'est 2d10 plus ou moins. Non, 2d20, pardon. De toute façon, attends, 2d20 plus 20, c'est ça? J'ai fait au total 38. Bah, si, avec 2d20 plus 20, t'es pas forcément obligé de faire tes jets de dégâts. Ouais, tu les tues instantanément. D'accord. Très bien, ça me fait plaisir. Almeno. Ouais. Que fais-tu? Est-ce que je vois quelque chose de là où je suis? Libre. Là en face, il n'y a rien. Par contre, à droite, tu sens qu'il y a de l'activité. L'activité qui baisse et qui remonte et qui rebaisse et qui remonte. Ça fait que ça. Et en avant, en arrière, en avant. Bah écoute, je vais me rapprocher, mais tout en distance, parce que je suis quelqu'un de distance, donc je vais me rapprocher quand même. C'est le dentier. Donc dis-moi par où, par contre, Dieters. Ouais, tu peux te déplacer. Tu peux te déplacer peut-être plutôt derrière les soldats qui défendent. Non, pas là-bas, là où il y a personne. Donc on est bien d'accord là. Tu peux aller là, tu peux essayer plutôt. Si tu veux, tu peux rester derrière les soldats si tu le préfères. Tu seras plus en sécurité. Bah là. Ok. Et que fais-tu? Je vais... Les soldats, ils sont où, tu m'as dit? Par là? Les soldats ennemis sont là. Ok, et eh ben je vais essayer de me mettre du coup... c'est qui à côté de moi, là? C'est moi. C'est toi? Eh ben, ouais, c'est moi, je viens d'éliminer 52 soldats. Bah, je vais me mettre là, du coup. Voilà. Et puis, je vais leur faire une quadriflèche. Très bien, fais-moi un dextérité. Dextérité. On va le faire. Ça le fait. Largement. Ça le fait grave. Eh bien, tu me fais tes... Tu vas te faire... Tu vas me balancer... tac, 4D. 4D20. Dieters, je crois que vous aviez pas fait le level up de Valmenor du coup. Non. Non, il arrive. Ouais, parce que je viens de voir ses stats là, le pauvre. Et Valmenor, tu te sens quand même vachement plus agile maintenant. Fais pas attention si tu vois des modifications sur tes stats. Ah, de façon totalement arbitraire, c'est... Je te laisse pas le choix. C'est mieux. C'est carrément mieux. Ma fiche, tu la vois où du coup? Je la vois sur le... Tu double-cliques sur ton perso. Ah putain, je me fais chier à avoir l'image, moi, mais du coup... Non, tu double-cliques sur ton perso, t'as tout. Je peux me la mettre sur le côté ou pas? Ah non, je peux pas quitter le truc. Merde. Mais en fait, tu peux cliquer sur pop-out, si tu peux la mettre en fenêtre à côté. Ah d'accord, merci. C'est ce que je voulais. Merci beaucoup. Du coup, tes flèches ne les tuent pas, mais les blessent. Et que non, si on accumule tes dégâts, t'en tues un. Et t'en blesses un deuxième. Attends, t'as eu quoi comme pub, Xema? Pardon? T'as eu quoi comme pub? J'ai une pub du Rex. Non, t'es sérieux? Ouais, pour du lubrifiant, mec. Mais alors, écoute, et alors, Maverick, écoute, le contenu du live a été analysé, donc... Non, mais comment ça se peut alors que je mets toujours moins de 18?
Je pense sincèrement que ce qui a été, que tout ce qui a été dit dans le live a été analysé pour déterminer qu'est-ce qui va être comme pub. Je pense, ouais. Putain. Et puis en plus de ça, je gère pas du tout les pubs. Un truc de dingue. Love, sex, thanks. J'ai besoin de deux infos. Est-ce que je peux changer de forme? Je suis toujours en axe, je suis bloqué en axe. Merde. Et sinon, je voulais savoir, est-ce qu'ils sont manipulés, mais ils sont manipulés genre c'est des zombies, ils ont aucune conscience, ou est-ce qu'ils ont un minimum de conscience, c'est juste une autre personne? Genre schizophrène. Est-ce qu'ils ont peur? Faites-moi tous un descend. Ah. Ha ha. Non. Non, 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 même pas besoin, même pas besoin. Vu que tu as été dans les ténèbres, que tu as vécu ce que... Tu sais que leur esprit, l'esprit de personnes qu'ils étaient, est enfermé dans un monde, dans un autre monde. Mmh. Une création d'un autre monde. Mode, alors leur esprit est dans un présent mental, mais il y a quelque chose d'autre qui les contrôle actuellement. Oui, mais du coup, ce que je veux savoir, c'est cette autre chose qui les contrôle. Est-ce qu'elle elle réagit de façon logique et humaine, ou est-ce qu'elle est en mode « j'ai pas peur, j'ai pas faim, je fonce dans le tas ». Fais-moi un dessin. Fais-moi un dé de sagesse. Ça passe. Ça passe, ça passe. Tranquille. Ils sont très organisés. Très, très organisés. Ouais, mais est-ce qu'ils réagissent? C'est-à-dire... est-ce qu'ils ont... si on leur claque devant les yeux, est-ce qu'ils vont clignoter ou pas? Oui, oui, ils vont clignoter. Par contre, quand ils se prennent des coups, ils continuent de foncer comme si... La chose qui les contrôle ne se fout. Ne leur permet pas de. Ok. Ok, ils sont insensibles mais pas inconscients. Intéressant. Je sais pas quoi faire, moi, je suis Kalax. Enfin, je fais. Pour faire tomber un. Lis TMP, lis TMP, je t'envoie un MP. Ah. Bah, comment, en principe, j'ai posé la question, hein, mais je suis bloqué en lynx, c'est-à-dire je peux pas me transformer en autre animal. Non, tu peux pas, tout ce que tu aurais pu être en lynx, ça a été volé. Il est dégueulasse. Hein. C'est pour ça que j'ai... Cap, merci de du... merci du tips, mais c'est la première question que j'ai posée, hein, littéralement. Non, Je vais rester en arrière parce que même si je suis un lynx et que un lynx ça peut être très dangereux, c'est pas fait pour une bataille rangée. Et là en gros je m'expose, donc c'est hors de question. Voilà, je reste proche de Jane, tiens voilà. Au cas où. Un qui passe, au pire tu le chopes, hein. Tu sais, tu restes en arrière, c'est ça. Et quand il y en a un qui passe, tu l'embusques et tu le chopes, tu vois. C'est ça. Que fais-tu? Est-ce qu'il y a d'autres pélucs qui arrivent vers là où je garde? Non, là, l'email gère entièrement les personnes qui passent par cette porte. Ok. Je fais signe aux 4. Je leur fais... Et je me dirige vers là où il y a Philippe et les autres. Ok. Et ensuite, à un moment où, quand j'arrive au niveau de Jane, je leur fais signe de... Là, tu peux le dire et Jane traduit au pire. Oui, Amit, Jane, dis-leur qu'il reste ici, qu'il garde avec les autres. Pas de soucis, et je leur dis du coup. Et je vais aller voir la reine sorcière chez Bon. Vous voulez que je vous aide ou pas? Oui. Ouais. Ok. Le 10 conscience. Concentrez-vous. Allez. Et commencez à essayer de tisser une toile. Je fais comme elle le dit. Je vais me concentrer à faire avec le petit soin. Fais-moi un jet d'intelligence. Oh putain, c'est compliqué, 50 ou moins, par pitié. Que je réussisse à faire un truc bien. Oh yes! Oh, bien joué. Tu commences à lancer les fils et à les accrocher sur différents murs pour essayer de tisser une toile. Où est-ce que tu tisses la toile? J'en regarde chez... Où est-ce que vous voulez que je la mette? Au niveau de la porte. Je suppose qu'elle parle de celle-là, de porte. Ah. Ouais. Oui, du coup, je fais comme... Pas. Ouais, du coup, je pose la toile là où il y a cette porte-là. Tu crées une toile et il y a un soldat qui arrive à se passer, qui touche ta toile, et tu te retrouves connecté à lui. Oh! Ok. Et tu arrives à
à l'assommer. Ok. Toutes les fans, tous les ennemis qui vont passer par cette toile ce que seront connectés à toi et tu pourras soit les contrôler, soit les assommer, il faudra voir ce que tu fais avec. Bien, 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 très bien ça. Bon, lui, je l'ai laissé assommer, mais en fait, je pense que j'attends qu'il y en ait plus qui viennent pour tous les reconvertir. Donc, on va un peu avancer dans le temps. Le combat avance. Philippe, tu en tues beaucoup. Tu commences à avancer dans les lignes ennemies. Tous les soldats qui sont passés par la porte de droite se font contrôler et assommer ou assommer selon le bon pouvoir de Spinal et de la reine sorcière. La porte avant, ils se font décimer. Vas-y, il n'y a personne qui passe. Et vous tenez comme ça pendant des heures entières. Okay. Et à ce moment-là, au niveau de la droite, vous avez commencé à avoir votre petite armée contrôlée par Spinal et la reine sorcière. Ils ont aussi commencé à se battre. Et les victimes du côté adverse commencent à se compter en millions. En millions. Wow. L'email a quand même fait 99% de tout ça. Oui, d'accord. Putain, la vache, vénère le sensei. Hein. Putain. Et à ce moment-là, au loin, dans la brume. Est-ce que j'ai une musique pour ça? Je crois que j'ai oublié d'apporter une musique pour ce moment-là. Technique à les cheveux, please wait. Ça faisait longtemps. Non, vous, ça va, tout ça. Vous en sortez bien, là, quand même, dans cette bataille, dans cette guerre. Ah oui. Ouais, j'aime bien la formation qu'on a mis en place. C'était genre, moi, je suis devant, je fais du taf de masse, on va dire. Et Spinal avec la reine sorcière qui, du coup, ça s'applique à retourner les ennemis un peu les uns contre les autres. Oui, parce que, en réalité, si on regarde bien, t'as l'email et toi, t'as ses maîtres élèves, et moi, je suis du coup avec la reine sorcière en maître élève. Et t'as, derrière moi, t'as Balménor qui, lui, fait de l'allée du Legolas. Balance des flèches dans la gueule. Nandelei, Balménor, Nandelei. Ça ne compte quand même que pour un. Et derrière, t'as Jane qui s'occupe d'informer plutôt les troupes en temps réel. Voilà, catastrophe. Avec Sakara qui, du coup, est embusquée au cas où il y en a un qui passe. Désolé. Le chat compagnie. Voilà. Alors, 10, 9. Oh, qu'est-ce que j'aurais aimé être juste 10, bloqué de pas pouvoir 10, être 10, humain. 5, pourquoi il y a un compteur 4. J'aurais 10, sorti 10, le oursibou. 3. Bon, je peux. Il y a un compteur 3. Il y a son téléchargement qui foire. Le compteur de bombe atomique qui en fait est cassé. C'est normal, c'est un compteur pour chinois. C'est pour. J'étais sûr. J'ai fait exprès de pas dire un autre pays. Zéro. T'aurais pu dire que c'est pas possible. Dans les ténèbres sort. Se sort déjà un homme. Il porte une longue robe noire, très longue, qui est trop grande pour lui. Un peu comme un enfant qui porterait les vêtements de ses parents. Mais il a aussi dans ses mains un immense crâne de cerf. Tiens donc. Puis, sur les ténèbres... Ça vient pas de dire la saison 2. Attendez les gars, laissez-le faire sa description. Pardon. Puis vient Sumar
Et une immense silhouette d'environ 10 mètres de haut sort. Elle porte une longue tenue noire, faite de petits fragments qui ondulent en vagues. Il a une peau blanche. Et quelques motifs noirs, des yeux globules ronds, et de son crâne sort une fumée blanche, de la même couleur que sa peau. Et de cette fumée, il y a des visages dans cette fumée, similaires aux siens, qui apparaissent et qui disparaissent. Et il y a une autre personne qui sort de la brume. Une femme avec une veste rouge. Oh. Une veste rouge en cuir. La vie était dans ce camp. Et tous les soldats reculent, s'enfuient. Et pendant que vous observez ça, au loin, derrière le fort, de l'autre côté, il y a un cri strident dans le ciel. Et en regardant, vous voyez un immense oiseau fait de flammes noires vous survoler. Quoi ? Attends. Quoi ? C'est la fin du monde. Non, allez. Et qui s'arrête, qui se pose sur la forteresse, en face de vous, mais surtout en face du témoin. Et il pousse un immense hurlement qui se met à réduire tout en cendres. Mais vous êtes en face de lui. Merci beaucoup à toi. Vous êtes en face du Phénix. NPC, merci beaucoup. Phénix. J'espère que toi ça a été, du coup. Qui suit, selon les légendes, la volonté du Suaire. C'est nous le Suaire. Et à ce moment-là, la reine sorcière invoque un bouclier autour de vous pendant que la forteresse est en train de disparaître. À ce moment-là, Jay, tu essayes d'invoquer un bouclier. Tu essayes. Oui. Et tu te rends compte que tu invoques ton bouclier, mais les cendres créées par tout ce qui est détruit par le phénix ont l'air d'absorber la magie. Et dès qu'elle touche son bouclier, elle passe du gris au violet fluo et absorbe toute la magie de ton bouclier. Et absorbe toute ta magie, toute votre magie à vous tous. Vous êtes sans magie. Et vous ne pensez même pas aux témoins. Mais au fait que le Suaire vous a choisi, il vous met en danger. Est-ce qu'il vous serait trahi ? Ah, on n'a plus de magie. Oh, c'est dommage ! Petite salope. Désolé, l'école avec moi, je m'en bats les couilles. Ça veut dire que Sakara, du coup, elle redevient humaine directement. Non, parce que les druides, ça ne dépend pas de la magie. C'est 100% naturel, c'est écolo. Moi, la magie, je m'en connais. Du coup, plus loin, qui essaye de fuir, qui a réussi à fuir, mais en se rapprochant des ténèbres, l'ouvre-cri du phénix. Au moment où le cri du phénix est sur point d'atteindre le témoin, la divinité t'en tend la main, l'arrêtant. Et à ce moment-là, le phénix pousse un autre type de hurlement et s'effondre au sol pendant que vous voyez ses flammes s'envoler vers la divinité d'enceinte. Oh non, elle absorbe le phénix. Et à ce moment-là, le phénix a disparu. Elle prend une grande inspiration et retend la main vers vous. Oh putain.
libérant, le même hurlement, le même cri du phénix, la même force vers vous. Amplement de Philippe. Et cette fois en beaucoup plus fort. Elle a, enfin, elle a l'air de baisser. Elle, avec la puissance du phénix, elle a l'air d'être beaucoup plus puissante que le phénix n'a jamais pu être. La forteresse est réduite en cendres en un seul souffle. Et le bouclier de la reine sorcière, bien que n'étant pas fait de magie, est en train de se faire détruire lui aussi. Jane, tu, par instinct, même s'il t'a trahi, tu essayes de protéger Philippe. Tu invoques un bouclier de magie autour de toi, tu te mets sur lui. Tu fais tomber au sol et tu te mets sur lui, en essayant de toi absorber le maximum de cette embauche de ce souffle. Le bouclier de la reine sorcière est en train de lâcher de plus en plus. Et pendant que certains essaient de protéger les autres, d'autres essaient de se protéger eux-mêmes, au loin, vous voyez l'autre silhouette, celle de Léchi, commencer à grandir. Et à atteindre les 3 mètres et à faire la taille qu'il faut pour porter ses vêtements et mettre son crâne de cerf. Je peux pas lui tirer dessus, moi. Et juste à côté... Non, tu dis, s'il te plaît, calme-toi. C'est ma écouille, hein. Et au même moment, pendant que le bouclier de la réticence a presque lâché, au loin, la divinité dansante remarque ce que tu as fait, Jay. Et elle se retrouve un peu en toi. Elle se souvient de comment est-ce qu'elle a tenté de protéger celui qu'elle aimait. Et pendant un instant, elle commence à hésiter. Elle continue de lancer le souffle, mais il est de plus en plus faible. Et elle hésite à continuer. Sa main commence à se refermer lentement. Que pour arrêter, mais elle continue. Léchi tourne la tête vers elle à ce moment-là. Et remarque ce qu'elle fait. Il penche légèrement la tête sur le côté, comme par questionnement, mais ne fait rien. Le souffle continue, et le bouclier de la reine sorcière vient de lâcher. Vous sentez votre chair brûler, douloureuse, comme si on l'arrachait. Mais pourtant, elle tient encore. Le souffle n'est pas assez fort pour vous arracher la peau, mais juste pour vous provoquer une douleur atroce. Et au même moment, le témoin fait un signe sur le côté. Un signe pour s'arrêter, et elle s'arrête. Ils s'avancent tous les quatre. La douleur continue, vous n'arrivez pas à bouger. Vous voyez juste les quatre passer au-dessus de vous. Et atteindre au milieu des ruines de la forteresse une pierre cachée en dessous. Une pierre avec 3 runes. Je suis là. Le témoin pointe 2 doigts en avant et dessine un triangle qui se grave dans l'ossuaire. Et au même moment, un portail s'ouvre dans l'ossuaire. Ils rentrent tous les quatre dedans. Et vous êtes là, seul et ayant perdu. Nous avons été vaincus. Ah. Bon, vaincu. On est vaincu quand c'est équilibré. Moi, j'ai rien pu faire. Ça a été une marave totale. Oh la vache. C'est pas encore la fin de cette vie. Par contre, je suis en train de me dire, mais le cerf, alors le fait que c'est un léchi, c'est normal, mais je viens de me repenser, mais c'était pas une.
C'était pas une tête de cerf qui était une phobie de saga? Non, c'est juste qu'elle aime, c'est juste qu'elle aimait pas qu'on tue les cerfs, c'est tout. Oui, voilà, il y avait ça comme référence, mais du coup, je devine que c'est peut-être lié, je suis tellement perdu là. Pas du film. Attends, les quatre, c'était le témoin, Léchi, la divinité et Sunmar. C'est ça. C'est ça. Et Limei est morte. Non, elle est toujours là. Okay. Elle était au niveau de la brume et juste avec la divinité ensemble, le souffle s'était arrêté juste avant la brume. Okay. Mais attendez, il y a un truc que j'essaie de comprendre. Et la reine sorcière, par contre. Nos pouvoirs se sont fait attirer par qui? Les quatre, ben, ils ont ouvert un... Enfin, le témoin a ouvert un espèce de triangle dans le suaire et ils sont tous rentrés dedans. Oui, mais qui a aspiré nos hauts pouvoirs à nous? C'est le suaire ou c'est le phénix? Non, c'est pas le suaire, c'est que... Alors, que j'explique au niveau de la brume. Pendant que j'apporte la fin de la session... Je croyais qu'on était plus dans la brume. Non, mais pas parce que je viens dans la brume. Non, le souffle du phénix. Le phénix, son souffle, transforme tout en cendres. Même la magie. Et ces cendres-là, non. Et ces cendres-là ont une propriété, c'est qu'elles absorbent la magie environnante. Et passent du gris, du coup, au violet fluo. Mais du coup, pourquoi le suaire nous a trahis? Ah, ça, vous ne savez pas. Il vous a juste trahi au moment où le témoin est arrivé. Mais il nous a trahi comment? De quelle façon? On n'a plus nos pouvoirs. Phénix. Non, le phénix est sous la volonté du témoin, enfin du témoin du tueur. Et donc c'est comme il nous a attaqué. Ah. Et en plus de se faire attaquer, bah, il s'est visiblement rangé du côté des autres. Bah, du coup, il s'est laissé un peu absorber. Quoi. Non, il s'est pas laissé absorber, il s'est fait absorber. Ah, je pensais que c'était volontaire. Bon, en tout cas, bref, ça change pas le fait que. C'est la merde. Mais donc là, pour résumer la situation, ceux qui utilisaient de la magie ne peuvent plus l'utiliser à l'instant T. Tant que vous êtes, tant qu'il y a des cendres du souffle du phénix autour de vous, toute votre mana est absorbée par les cendres. Et du coup, genre moi par exemple, ce que j'utilise, c'est pas de la magie, c'est une technique. C'est pas de la magie, tu peux continuer à utiliser ça. Okay. Je vois l'écureuil qui est de retour. qui revient. Après deux sessions, oui. Et moi, le dispensant, c'est pas de la magie non plus de mémoire, je crois. C'est pas de la magie non plus, c'est justement pour ça que le bouclier de la reine sorcière a tenu. Ouais, c'est pour ça, ouais. Mes pouvoirs ont disparu. Tu les as techniquement toujours, mais tant qu'il y a des... Tu es à sec, t'as plus de fuel. C'est juste ta barre de mana est vide, basiquement, c'est ça. Et tant qu'il y a des cendres, en fait... C'est niqué. Tant que t'as des cendres, ta barre de mana restera vide. Bon, alors du coup, pendant que vous êtes en train de vous rendre compte à quel point vous vous êtes fait défoncer la gueule dans les deux sens, avec d'un côté la divinité d'ensemble qui vous a trahi, de l'autre, le suaire qui vous trahit... D'où l'ultime trahison. Mais pourquoi la divinité dansante nous a trahis? Mais on sait pas, on va le découvrir après, on verra. Avec ce genre de réflexion. Vous posez plein de questions. Moi j'essaie de comprendre, j'essaie de théoriser là. Theory time. Et plus loin, il y a quelqu'un qui approche. Il y a quoi? Quelqu'un qui approche. Ok. Oh putain. Oh non. Alors, pendant qu'elle avance, Sakara, tu as l'impression de récupérer quelque chose qu'on t'a volé. Ah, la joueuse de flûte. Tiens donc. Et tu te rends compte que... Hé, j'ai pas la Tu peux en parler? Mais je suis Miro. Mais tu vois... Je la reconnais. Elle voit. Oui, tu vois. C'est... Quoi? Tu vois un axe, mais tu vois. Mais
Moi, je vois Sakara, je fais ça. Tes yeux sont toujours transparents. Tu vois, et tu remarques même quand tu clignes les yeux, quand tu as les yeux fermés, tu continues de voir. Elle t'a volé ta cécité? Putain, oui, exact. Je me transforme en ours, sinon je me gueule dessus. Je voulais le faire tout de suite, mais j'ai... Je peux me transformer en ce que je veux. Basiquement. Je l'ai découvert quand on a eu le... Il y a deux sessions, voilà. Mais avant toute chose, elle se rapproche de vous. Elle prend une grande inspiration et commence à parler. Ah, c'est l'heure du discours. C'est ça, inspire, on va devoir causer, toi et moi. J'ai entendu un Peggy 16. Moi, je fais un gros câlin à Sakara. Attends, écoute. Mais, vos gueules. S'il vous plaît. Toute première victime était semblable à vous. Il faut que je reset, du coup, vu que ça a parlé en même temps que je lançais. Pardon. Peggy 16. Avant d'être en mesure d'affronter le témoin, vous devez le comprendre. Cette toute première victime est semblable à vous. Rectification, je vais le faire moi-même parce que j'ai de me rendre compte que ça ne marchera pas. En copier-coller comme ça. Alors, faites comme si vous n'avez rien entendu. Du coup, je reçois un câlin de Jane. Je le reçois, j'accepte. Je la regarde et je fais mais qu'est-ce que Peggy 16? Non, par contre, rassure-moi, mais je vois clair, mais c'est juste, je vois normalement, quoi. Ça va, Warren? Tu rigoles ou tu pleures? Je n'ai pas de vision bizarre comme un certain personnage lié au néant. Non, tu vois normalement, c'est juste que du coup, quand tu... C'est juste comme Dieu, je vois quand même. Tu ne peux pas ne pas voir. Même si je mets une main devant. Mais si tu mets une main devant, tu vois toujours. Mais du coup, mais elle va tricher à cache-cache. Alors, je passe pas au travers de n'importe quoi non plus. Ah, mais attends, je vois... Est-ce que ça veut dire que tu vois à travers les vêtements, du coup? Oui, justement, c'est ce que je pose comme question depuis tout à l'heure. Non. Eh bien, non. Non, parce que... Merci. Oh, l'enfer. Attends, je peux poser une question très débile. Si je me fous intégralement à poil et que je mets des vêtements devant moi, est-ce qu'elle voit à travers? Non, ça ne marche que quand quelque chose bloque directement sa vue à elle. Ok. Sa capacité à voir. Okay. Pas quelque chose qui bloquerait autre chose. Donc si je colle mon visage sur elle avec des vêtements ou sans, je passe quoi? Ah, voit, du coup. Je vais voir son cœur battre, bon. Non. Oh putain. Tu ne la verras juste pas, elle. Ah. Oh merde, je peux plus faire de... Je peux plus faire du microscope. Et est-ce que la meuf qui a fait de la... Si elle se colle à mon torse, elle peut voir mes organes. Si on suit ta logique. Est-ce qu'au pire, on s'en bat les couilles, non? On va dire que... Il n'y a pas besoin d'explication. Voilà. Oui, non, voilà, on s'en fout. Non, par contre, ce qui est bien, c'est que je rends le câlin à Jane, et puis tant qu'à faire, je déroule une pelle, tiens, hop, voilà, c'est offert. D'accord, j'ai passé deux sessions, relax, putain. On m'a jamais forcé la main. Moi, je regarde ça, je fais, c'est quoi tous ces débiles, n'empêche, pourquoi j'ai suivi ce groupe? Mais tu sais, c'est quoi le plus gros fléau de cette campagne? C'est pas le témoin, c'est la chlamydia. Ça va tous nous buter. La chlamydia? La putain de chlamydia. Ouais, bref, c'est un MST, on s'en cogne. Alors, Warren, alors... toi, on s'est laissé avoir ces moments d'amour. Alors merde, m'emmerde pas. C'est pas celle-là. Est-ce que c'est celle-là? Il est fatigué. C'est pas celle-là non plus. Alors, excusez-moi, c'est juste que j'avais pas prévu de faire ce dialogue aujourd'hui. C'est... Excusez-moi, je sors de la louche. Ah, elle passe devant la caméra? Ah non. Hein? Non, toujours pas. Non.
Et je peux pas faire des bisous à Sakara, par contre, faire des blagues sur la femme de Maverick, ça on peut. Tu devrais... non, mais tu devrais savoir comment elle est là actuellement, c'est n'importe quoi. Voilà. Attends. Elle est... Non, elle dort carrément sur le canapé. Ouh. Ah ouais. Ouais, tu vas pas. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas par amour? Enfin, un juge. Enfin, je parle, mais c'est elle qui vous a quand même envoyé un message. Avant d'être en mesure d'affronter le témoin, vous devez le comprendre. Ses victimes étaient semblables à vous, luttant pour survivre, guidées par l'espoir. Et leur espoir prit forme. Ils l'appelèrent le Suaire. Leur dieu de vie et de magie les conduisit dans un âge d'or. Pendant des siècles, ils prospérèrent. Mais leur nouveau dieu ne leur parlait pas. Il les couvrait de présents, mais pas de conseils. Ils cherchèrent... Ils voulèrent un plan, une structure, un but. Leurs érudits, en étudiant le Suaire, trouvèrent qu'il possédait une connexion avec une autre force, au-delà de ce monde. Ils l'appelèrent la Trinité. Et dans cette Trinité, ils oublièrent complètement leur dialogue. Excusez-moi. Alors, mon texte. Warren, faut clipper ça. Il m'a tué. J'étais à fond dans le truc. Ils oublièrent complètement leur dialogue. Et moi, j'étais à fond dans le... Attends, quoi? Je pense que tout le monde a eu cette réaction-là, on va... en mode... Oui, ah, oui. Ouais. Oui. Tout début. C'est magique. Dieters, non mais faut... tes ruptures sont incroyables. Allez. Mesure d'affronter le témoin, vous devez le comprendre. Ses toutes premières victimes étaient semblables à vous, luttant pour survivre, guidées par l'espoir. Par l'espoir. Et un soir pris forme. Ils l'appelèrent le Suaire. Leur dieu de vie et de magie qui les conduisit dans un âge d'or. Pendant des siècles, ils prospérèrent. Mais leur nouveau dieu ne leur parlait pas. Il les couvrait de présents, mais pas de conseils. Bien que vivant au cœur du paradis, ils se mirent à rêver d'un plus grand dessein. Ils voulaient trouver un plan, un sens, une structure, pour donner forme à leur jardin. Leurs érudits trouvèrent que leur Suaire avait une connexion avec une autre entité, au-delà de leur monde. Ils l'appelèrent la Trinité. Et quand ils le trouvèrent, ils en réclamèrent la propriété. Ils connaissaient déjà la magie, celle qui pouvait changer les lois de l'univers pour créer la vie, mais ils comprirent qu'elle pouvait aussi leur mener à leur perte. Les événements cosmiques qu'elle déclenchait pouvaient détruire des civilisations en un instant, sans aucune raison. Ils ne virent donc pas la magie comme une source de prospérité, mais de chaos total. En étudiant la Trinité, ils découvrirent les ténèbres. Une force poussée par le changement et le mouvement. Et dans les ténèbres, ils trouvèrent le moyen de calcifier le chaos de l'existence en une forme finale et parfaite. Et éternel. Dans le but de renforcer leur connexion avec lui, ils ramenèrent les ténèbres au Suaire. De ce point, ils pourraient refaçonner la réalité même.
mais le suaire ne le permit pas. Et il quitta leur monde. Pourtant, rien n'allait les dissuader. Ayant perçu la vérité dans les ténèbres, ils firent usage de leur pouvoir de lien afin de se fondre dans le salut qu'ils désiraient tant. Ainsi commença la campagne du témoin. Afin d'imposer un sens à un infini qui n'en avait pas, un infini si proche de sa fin. Fin de session. Bon bah on est mort, C'est la peine. Vous avez bien compris, c'est ça ? Si, bah si. C'est un sacré bordel. Voilà. Mais vous en gros, du coup, c'est des hommes. Sur ce qu'elle témoigne. Et surtout, j'avais raison. Encore. Non, tu n'as jamais raison. Mais les hommes ont créé le suaire. Ça, c'est intéressant, ça. C'est nous qui l'avons créé. Ah, il a pas dit que c'était vous. Il a dit que c'était semblable à vous. Ouais. Et dans le sens qu'il luttait pour survivre. Oui, mais quand je dis nous, c'est nous les humains. Enfin, les êtres. Bah, pas forcément. Oui, des êtres vivants, mais pas forcément des humains. J'ai compris. Mais quelle est la place du phénix dans tout ça ? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ça, ce sera expliqué plus tard. Mais du coup, vous savez la plus grosse révélation sur le témoin, là, si vous avez suivi. Sur ce qu'est le témoin ? Un enculé. Les ténèbres. Oui. Bah, en fait, il est... Il manque de foi. Aussi, ouais. Mais c'est ce que je t'avais dit quand on a regardé dans le journal, je te rappelle, et que j'avais fait la connexion avec, du coup, Riven, le témoin et Sodmar. Tu peux nous renvoyer le texte d'Eaters, comme ça je peux le décortiquer. Parce que je l'ai écouté et tout, mais c'est plus facile en le relisant. Ouais. Alors, j'ai pas le texte entier, mais je vais juste vous rappeler la fin. Qui parle de toute cette espèce, ils utilisèrent leur pouvoir de lien afin de se fondre dans le salut qu'ils désiraient tant. Ah, c'est un espèce. Ainsi commença la campagne du témoin. Ah, ils ont en gros, le fusionné en un être. C'est comme quand. Le témoin, c'est un espèce de medley de plusieurs personnes en fait. Ah, de toute une en espèce fait... Quand ils ont fusionné l'ensemble des univers, ça a fusionné témoins et compagnie, et ça... Non. Ça n'a pas, ça n'a rien à voir avec ça. Ah, ok. Alors, gros, on va traduire tout pour... Non, mais, laisse les joueurs faire leur propre traduction. Ne nous donne pas la vérité. Justement, le PNJ est venu là pour vous donner la vérité. Oui, mais... Mais laisse-nous un peu cogiter, ne donne pas des informations gratuitement. Mais justement, sinon, si là, il n'y a pas de point cogite, c'est la vérité pure jus, là. En fait, là, c'était bon, vous étiez censé comprendre ce qu'était le témoin. Voilà. Bah oui, mais... En gros, moi, de ce que j'ai compris, c'est que c'est une espèce qui, en gros, avait un seul et même but, et pour avoir un seul et même but, ils ont fusionné pour devenir un seul et même être, un seul monde, un seul peuple. C'est presque ça, mais ouais, t'as l'idée principale du fait que c'est une espèce entière qui a fusionné. Voilà. C'est très communiste tout ça. Ah bah, Captain, tu peux changer de fond, hein. Vas-y. Avec grand plaisir. Parce que nous sommes le témoin. Je vais juste fermer le live maintenant. Donc au revoir. Bisous le live. Bisous. Évidemment, avec ça. Hop. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. En tout cas, bonne journée à vous pour ceux qui sont au repos demain. Et puis ceux qui surtout travaillent demain aussi, hein, c'est très important.
En tout cas, bonne journée, bon courage à vous pour demain. Et pour ceux que je vois lundi, à lundi. A plus tout le monde. Salut Captain. Et en tout cas, merci beaucoup à toi, à Mayla pour ton abonnement. Ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup à toi. Salut.